Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au stade Charletti pour cette cinquième journée de Domino's League 2. Le Paris FC accueille l'AG Auxerre. Un Paris FC en difficulté, un AG Auxerre également en difficulté. On va voir ce que ça va donner. Avec moi pour commenter ce match, Gabriel Aumont. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Allez, bonsoir à tous et à tous. On a vu le Paris FC quand même en difficulté sur ces derniers matchs, en difficulté au moment de marquer. Dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Pour l'AG Auxerre, c'est derrière que sont les problèmes avec 9 buts encaissés en seulement 4 rencontres. On reviendra dans ce match un petit peu plus tard. On va faire rapidement un petit tour sur cette 5ème journée de Domino's League 2. Puisque Bourg-Péronas accueille le Gazélec Ajaccio. Le stade brestois accueille Nancy. Nîmes Olympique accueille le Havre. QRM accueille Clermont Foot. Sochaux accueille la Berrichonne de Châteauroux. Tours accueille l'AS Ajaccio. Et Valenciennes accueille le Chamois Niortais. Samedi à 15h, on aura Lorient contre le stade de Reims. Et lundi 20h45, l'US Orléans contre le RC Lens. Les deux équipes qui viennent de faire leur entrée sur la pelouse, on va devoir condenser un petit peu notre avant-match parce qu'on a eu quelques problèmes de sono ici à Charletti qui nous a empêché de débuter le match. On va commencer donc avec la composition de la Auxerre avec toi Gab. Allez, les Auxerrois qui vont évidemment avoir l'objectif et l'importance de gagner ce soir. Bon, c'est pareil pour nos Parisiens, mais oui, avec Montel dans les tâches qui n'est pas Patrick Montel, il fallait que je la fasse mais je la commence maintenant, il faut plutôt Saki au Bragnac. On notera quand même un moment, en partant de l'attaque, que sur cette attaque, on a bien Bragnac à droite, donc c'est-à-dire remise pied gauche. Pour le milieu de terrain, ce sera Déoti Touré, pour la défense, ce sera Nga, Sané, Takalfred, Goujon et Zachary Boucher dans les cages, des noms connus, notamment pour Fred qui vient de Red Star. Allez, concernant le Paris FC, on a bien sûr Vincent de Marconnet dans les buts. Fred Bong est présent, ainsi que Thomas Delaine, Ousmane Sidibé et Samuel Yohou en défense centrale, Redouane Kerouche, Cyril Mandouki et Edmond Akiché occuperont le milieu de terrain. La line à nommer Janari, éphémère arrière-gauche lors de la dernière rencontre, retrouvera son poste d'ailier. Saïf Eddine Alain Baza prendra l'aile gauche. Et la pointe sera occupée par Malik Chokounter. Qui a noté une petite image dont tu voulais nous faire part, Gab. Oui, c'était devant Vincent Marconnet qui avait l'écharpe du All-Clan, puisqu'il y avait un hommage par rapport, j'en ai déjà parlé mardi, à Dédé, supporter et membre du All-Clan qui est décédé récemment. Et un hommage a été rendu avant le match, et là on a vu encore les joueurs le faire. Et vous entendez derrière moi, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Voilà, 7 minutes d'applaudissements parfaitement respectées par tout Charletti, par les joueurs et par les Auxerrois compris. Et on va rentrer un peu plus dans le football maintenant avec donc ce match Paris FC Auxerre. Le Paris FC, vous l'avez vécu mardi, s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue face à Clermont avec un match qui est symptomatique de ce début de saison des Parisiens. C'est-à-dire au niveau du jeu, c'est bon, même très bon par certains moments sur des combinaisons. Oui, et c'est au moment de marquer que ça coince. Tu fais bien le préciser, c'est pas seulement bien, c'est très bien. Et c'est un mot important, c'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu où on voit un PFC, ça fait très longtemps qu'on nous a pas vu produire des jeux comme ça. Ça fait beaucoup de saisons. Et là, on a envie de les voir marquer. C'est déjà ce que j'ai dit mardi. Ce qui était important, c'est pas forcément de gagner, de faire péter le verrou. Maintenant, c'est important de faire péter le verrou et de gagner. C'est les deux choses. Le verrou, c'est plutôt une porte ouverte. Hein. Pour l'instant, la défense auxerroise, je l'ai dit. Avec le PFC, on sait jamais. Hein, les portes, les verrous, ça dépend comment. Ton serrurier, que tu vas là et que tu vas pas là, j'en sais rien. C'est toujours compliqué. Alors que le coup d'envoi est donné à l'instant par les Auxerrois qui attaqueront de la droite vers la gauche. Le Paris FC de la gauche vers la droite. Sauf bien sûr, si vous regardez ce match avec nos confrères de Beansport, auquel cas vous êtes inversé parce qu'on me rappelle les caméras sont en face. En tout cas, Auxerre qui a donc, je l'avais dit un petit point d'avant-match, qui a encaissé la bagatelle de 9 buts en 4 matchs. Et c'est six, sur les 9 buts, il y en a 6 concédés à l'extérieur. C'est compliqué hein, pour les Auxerrois ce début de saison. Ils sont pas derniers au classement de la défense parce qu'il y a les malheureux Lensois qui ont encaissé un plus. Oui, j'allais dire Auxerre-Lens, ils ont quand même battu Auxerre d'Argent, mais finalement, quand tu traverses la suite de Lens, on ne sait pas si c'était. Finalement, on l'a pris pour un match du haut de tableau. Mais en tout cas les Auxerrois qui sont derniers de la défense à l'extérieur, les Auxerrois justement qui sont derniers au niveau défense à l'extérieur.
Et est-ce que ça va se confirmer ce soir? On l'espère pour les Parisiens. Avec une petite décision quand même assez forte hein, de Fabien Marcanal, celle de laisser Patrick Etchimi à Paris. Et pas sur la feuille de match. Oui, pour laisser dans Val-de-Marne, parce que Paris, oui. Oui, de toute manière, je pense qu'il y serait resté à Paris sans être sur la feuille de match. Mais oui, c'est ça exactement. Et on va voir aussi, on attend beaucoup de Alain Baza, ce qui est normal. On attend beaucoup de Nomen Januari. On a besoin côté parisien de gagner, de reprendre la confiance. Auxerre, ça reste une saison compliquée l'année dernière. Pas dans la même dynamique que les Parisiens, malgré tous les changements. Et on sait les circonstances de cette montée en Ligue 2 pour le PFC. Voilà, il faut gagner et surtout marquer, même ce qui est moins la manière, ça fait toujours bizarre à dire. Mais mentalement, ce serait très difficile de revivre le même scénario qu'il y a quelques semaines. Attention avec ce premier moment de la phase de réparation pour Montiel. Il est arrêté pour une faute sur un joueur parisien qui était Redouane Kerouche. Pour l'instant, les deux équipes qui s'observent, hein, plutôt pas vraiment de... On a l'habitude de voir le PFC assez incisif en début de rencontre. Là, ils ont plutôt décidé de calmer le jeu face à des Auxerrois qui se projettent tranquillement également. C'est pour ça que ça fait on est déjà à 2 minutes de jeu et on a pu rattraper un petit peu notre retard au niveau de l'avant-match parce que les deux équipes qui s'observent, qui ne vont pas forcément vraiment vers l'avant. Mais à noter quand même, on a un duel de gardiens expérimentés hein, ce soir entre Zachary Boucher et Vincent Demarconnet. Ouais, c'est vrai. Ça peut être la clé du match. Important de le noter, on sait que côté parisien de Marconnet, faire confiance en ce joueur qui entame sa 10e saison. On notera aussi l'absence d'Hervé Liboy, hein, remplacé par Sam Youhou. Du coup, c'est bien Frédéric Bong et Sam Youhou, justement, qui évoluent en défense centrale. Alors, puis tout à l'heure, on voit quand même Sané aller au duel avec Alami Baza. Donc, je ne vais pas vous faire un détail qu'est-ce qu'entre Yann Collard et Philippe Lam pour voir une sympathique vidéo qui avait fait le tour du web, mais c'est un peu ça. Abdoulaye Sané, Yaya Sané qui revient d'une suspension hein, de 3 matchs fermes lors du pour un carton pris lors de la deuxième journée face au Havre. Ah, le rythme, alors ça fait 3 minutes de jeu, mais le rythme c'est pas le même que ce qu'on a vu ces dernières semaines du côté du PFC. Ah, clairement. Il semble avoir intériorisé le fait que on va d'abord marquer et pour le rythme on verra après. Ah oui, ça semble vraiment être ça. C'est-à-dire que là, si vous voulez, d'habitude, il y a des grandes infos dans le match, mais alors là, je vois que le ballon touche dans les pieds d'un gardien, pas beaucoup de jeu au sol. C'est un petit peu compliqué, hein, ce début de match, côté des Parisiens et des Auxerrois. On a vu déjà tout à l'heure une première incursion un petit peu de la part des joueurs de la GIA. Donc ça donnera rien, et derrière, Thomas Delaine va récupérer le cuir et trouver tout de suite Redouane Kerouche qui avait joué une touche de balle avec Safidi Mbaza et deux buts pour Maïd Choukounté. Alain Mbaza, il va passer, il y aura peut-être une faute. Non, rien dit monsieur l'arbitre, et situation de contre peut-être pour Auxerre. Ouais, situation de contre tout de suite arrêtée par Cyril Mandouki qui va tenter de jouer tout de suite vers Maïd Choukounté, l'ancien Dunkerquois qui reçoit ce ballon dans le dos et ça va sortir en touche. Côté Paris FC, ça me permet de rebondir sur Cyril Mandouki qui est une des grosses satisfactions hein, de ce début de saison côté parisien au milieu de terrain. L'homme aux trois poumes, on l'avait dit. Ça ressemble à ça. Ah, il avait fait une bonne saison à Créteil déjà la saison dernière, mais malheureusement, il n'avait pas forcément des partenaires au diapason. Mais là, on lui découvre un niveau technique vraiment intéressant, que ça soit dans la récupération ou, comme tu l'as dit, un niveau volume de jeu, il est assez impressionnant. Ah oui, non, mais aussi au niveau technique, c'est-à-dire que dans l'utilisation du ballon, il sait quoi en faire. Le joueur ailier, on a l'impression comme milieu défensif. Hein. Bah, il a déjà joué ailier d'ailleurs contre le Havre en fin match, et ça correspond à la meilleure période parisienne d'ailleurs. Exactement, c'est faisait référence à ça. Toute comparaison gardée pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter sans voir d'image, c'est un peu Matuidi qui avait pu jouer ailier gauche à un moment au PSG, d'avoir ce rôle de pressing et de d'épuiser la défense adverse tout en étant milieu de terrain très actif. Et c'est la comparaison qui me semble le plus avide. Clairement, on va revenir au jeu parce que Ousmane Sidibé qui a réussi à récupérer un ballon sur le côté droit et attention, il y a une petite faute là du côté. D'accord. Côté Auxerrois, c'est Ndika qui a fait cette faute côté. Sur Ousmane Sidibé. Et Van Ndika qui a retenu le joueur parisien. Alors effectivement, Sidibé qui s'est également un peu accroché hein, à Sidibé. Mais la première faute était clairement du joueur auxerrois. C'est la troisième faute hein, des auxerrois depuis le début de cette rencontre. Et ça va donner un coup franc intéressant pour le Paris FC avec Saifedin Alani Baza qui s'est emparé du ballon. On est au niveau de la surface de réparation, collé à la ligne de touche côté droit. Ça va être en sortant, on va dire, si on se base sur le pied droit d'Alani Baza. Les grands sont montés dans la surface de réparation et bien sûr Fred Bong, bien sûr Sami Youhou, Cyril Mandouki et également. On a Edmond Akichi et Redouane Kerouche entrée de surface avec leur qualité de frappe. Et Thomas Delaine et Cyril Mandouki en backup derrière.
On a devant les coups de pied arrêtés quand même, côté parisien. Safe et Dinamaz à Panturia Chukunte dans la surface. C'est abattu au premier poteau. C'est dégagé par la défense suédoise. Mais attention, c'est toujours dans la surface de réparation. Peut-être revenir sur Don Kerouche à l'extérieur. Et il va pousser le ballon là-bas, peut-être jusqu'à Akichi qui peut l'envoyer de l'autre côté. Oh, c'est excellent. Ce qu'il vient de faire Edmond Akichi, on pensait peut-être revenir jusqu'à Denis Marconnet. Il a choisi de jouer vers l'avant et ça arrive finalement sur un ligne basse au poteau de corner. Il a deux Auxerrois sur le dos. Est-ce qu'il va obtenir le corner? Non. Sortie de but pour Auxerre. Ça fait le grand écart, Safe et Dinamaz sur cette action-là. Ouais. C'était assez intéressant de voir comment il a glissé. Alors il a plu tout à l'heure en fin d'après-midi sur la région parisienne. Important de noter. Alors, on sait que c'est déjà euphémisme. Oui. C'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il a plu, il s'est abattu des sauts. Ça dépend où tu te trouves sur la région parisienne à ce moment-là. Ça dépend vraiment, peu importe à l'endroit où tu es. Et moi, du côté de Nanterre, eh ben, excuse-moi, il a plu sobrement, sans plus. Alors apparemment, je peux vous dire que sur Paris, c'est des sauts qui sont abattus en tout cas. C'était notre point, Evelyne Delia Météo. Mais c'est important parce que déjà, quand il pleut pas, tout le monde glisse ici. Attention, parce qu'Edmond Akichi nous a fait un geste de freestyler là, en faisant rouler le ballon sur ses épaules. Je pense que c'était volontaire. Il l'a perdu ensuite. Ah, c'était volontaire. Il a pour contrôler cette balle. On a envie de dire que c'est volontaire. En tout cas, ce ballon qui, heureusement pour les Parisiens, est sorti parce qu'il avait perdu ensuite et c'était un contre serrois dans les 30 mètres. En tout cas, touche pour le Paris FC avec Ousmane Sidibé. Va jouer sur le physique de Malek Chukwunte au niveau de la ligne médiane. La balle est perdue, récupérée par les Auxerrois. Avec Saki qui s'est retourné. Saki, Philippe Poteau peut lancer dans la profondeur Montiel. Montiel qui perd cette balle face à la condition physique de Fred Bong et qui glisse ensuite, ce qui permet à Fred Bong de se relancer assez proprement, même si là, petite imprécision technique de Cyril Mandouki qui met en difficulté Ousmane Sidibé. Ce ballon sort en touche devant le banc de Francis Gillot. Eh oui, Francis Gillot qui avait déjà coaché contre le Paris FC, c'était à l'époque avec Sochaux, un match perdu en Coupe de France. Avec un but de Youssouf Touré par les Parisiens qui avaient battu lors du tour d'avant, encore une fois à Toulouse. Donc ça arrive deux fois, mais ça fait beaucoup quand même une nationale qui est une fois chez une Ligue 1, c'est important de noter. Ça sera des matchs légendaires et touche à suivre pour les Parisiens là-bas, pour Ousmane Sidibé dans le camp d'Auxerre. On va essayer un petit peu de mettre d'activité, plus de rythme dans ce match-là. On sent deux équipes, alors que là, oui, il y avait bien une main, on est d'accord, il y avait bien une main. C'était même un compte de volet un petit peu, on est d'accord. Ah, beau bloc. Pour Neymar, beau bloc. Pour cette action auxerroise et derrière on va revenir avec les Parisiens qui peuvent avoir un coup franc et un petit peu sortir et écarter leur propre bloc pour voir une attaque un peu plus à l'avant. Attention quand même au pressing auxerrois, attention au pressing auxerrois parce que Samuel s'est raté et le face-face pour Montiel, la frappe de Montiel et Sébastien de Marconnet à la parade. Première action super chaude sur le but parisien, Samuel qui glisse sur cette relance anodine, Montiel qui se présente en face-à-face, il a un joueur à ses côtés, il choisit d'y aller tout seul, de croiser sa frappe. Et Vincent de Marconnet qui est bien présent et qui remporte son face-à-face. Est-ce qu'il a glissé sur son contrôle? Je sais pas exactement ce qui s'est passé pour Samuou, mais les Parisiens, c'est un petit peu le problème sur ce début de match là, qui sont pas vraiment rentrés dedans. Mais quelle occasion pour ça, surtout qu'il peut la donner. Hein. Ah, il peut et il doit même la donner, Montiel. Il doit la donner. Il a Ludovic Obraniak hein, qui débarque sur son côté droit un petit peu derrière lui. Et surtout que même s'il la donne pas, il peut croiser sa frappe, c'est quand même un face-à-face et sa frappe est quand même mal fardée. Attention parce que de côté il y a Malek Chukwunte qui va s'avancer et lancer le premier tir cadré parisien, mais il est trop flottant pour inquiéter Zakaria Boucher. J'ai l'impression qu'on a compris, on est dans quelle situation depuis le début du match ici à Charletti. Ah, il s'est rien passé sur les 8 premières minutes et là en 30 secondes on a eu deux actions, on est à la 9ème minute de jeu à Charletti, 5ème journée, Dominos Ligue 2, le Paris FC est à 0-0 contre Auxerre. Et deux grosses occasions de chaque côté, deux arrêts pour Vincent de Marconnet et Zachary Boucher. On est déjà à 5 fautes hein, pour les Auxerrois à l'instant. Un peu haché comme match, effectivement. Un peu haché. Et pour le moment, c'est vrai qu'on note, alors je parlais de cette occasion de Mandouki, c'est qu'elle est arrivée tellement proche après cette énorme occasion auxerroise que je pense qu'il avait peut-être mieux à faire. Mais bon, c'est tenté, c'est aussi de se mettre en confiance, de pouvoir avoir ce passage-là, des Auxerrois et des Parisiens qui essayent de trouver le cadre, mais la plus grosse occasion est quand même pour les Auxerrois. C'est Fini Abaza qui tente de remettre en se retournant un petit peu là-bas pour Nomen Genari. Effectivement, il revient d'une position de hors-jeu, la Lana Nomen Genari. Et du coup, Auxerre va pouvoir se dégager et souffler un petit peu. C'est un peu... Ça fait que 10 minutes de jeu, 0-0 ici à Charity, mais voilà, le geste de la main pour qu'ils vont regarder. Je veux dire, il faut appuyer un petit peu là, des deux côtés, même si la plus grosse occasion est pour les Auxerrois. C'est un petit peu gonflé ce que vient de faire Romain Philippe Poteau. Il avait le ballon à ses pieds, il a demandé au ramasseur de balles de lui en lancer un dans les mains. Bon, après tout. Que veux-tu? Mais c'est vrai, c'est important de noter. Allez, les Parisiens encore avec le ballon, Mandouki qui gagne même ses duels de la tête. Hein. Il pourtant pas, me paraît pas très grand vu d'ici. Cyril Mandouki pour Edouane Kerouche qui va tenter de pousser ce ballon et finalement c'est récupéré le cœur par les Auxerrois. Ah, les Parisiens qui sont un peu plus en difficulté hein, que sur les derniers matchs, notamment par les appels dans le dos, la défense de Montiel encore en position du ballon au poteau de corner. Et la Fred Bonk face à lui, il va revenir derrière lui, Philippe Poteau. On revient encore derrière jusqu'à Indica.
Nika a trouvé Montiel entre les lignes. Montiel peut écarter, ça c'est bien fait, ça change le côté de Montiel même si c'est un petit peu long. Alain Ibaza qui ne va pas pouvoir récupérer, on est passé complètement côté droit pour Auxerre. Et on lance dans le couloir dans la surface de réparation au lieu de Cobrania. Cobrania qui a été bousculé un petit peu par Samy Yehou, rien dit monsieur l'arbitre. Le jeu continue et elle semblait effectivement légitime hein, cette intervention de Samy Yehou. Après par contre il a tenté de relancer long sur Malik Choukounté qui est pris à la culotte. Allez, par Tak Alfred, mais là on est directement de l'autre côté. Le line à Nomenjanari, Nomenjanari côté droit, le passement de Nomenjanari, c'est bien fait, le centre retrait de Nomenjanari, c'est coupé par Saïf Edine Alain Ibaza, sortie de but. Dommage, mais bien vu de la part de Nomenjanari qui arrive à repiquer aussi sur, sur ce play-là. Et là on a cherché au sol, moins en l'air, à trouver un pied. Et c'est vrai que quand on joue cette situation-là, on a l'opportunité que ça peut toujours arriver le CSC dans ces cas-là. Ah, mais la bonne idée de Alain Nomenjanari, surtout, c'est quand il provoque face à Indica les passements de jambes, mais au lieu de rentrer vers l'intérieur sur son pied gauche, comme on pourrait s'y attendre, il est parti vers l'extérieur sur son mauvais pied. Alors c'était un peu trop premier poteau hein, pour inquiéter Zachary Boucher. Alors que mardi, il a quand même joué arrière-gauche, Nomenjanari, il a allié droit. Ah non, mais il a fait un bon match d'ailleurs en position de latéral gauche au niveau défensif. Il était un peu plus en difficulté dans, l'aspect offensif, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs. Mais on peut dire qu'il avait un peu manqué les rides depuis le début de saison et là il commence à le retrouver. Danan Mujari qui a été un des grands hommes forts de la fin de saison dernière du côté du PFC et décisif. On attend aussi de ces joueurs-là et d'expérience une année en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. On sait dans un contexte un peu compliqué financièrement. Mamadov période. C'est pas pour monter le moral des Lensois, mais ça va être difficile, je vous rassure, dans l'immédiat. Mais oui, c'est évidemment un moment important pour Nomenjanari, ces matchs à enchaîner. Allez, Ousmane Sidibé, ce ballon bien vu pour Cyril Mondouki sur la droite. Cyril Mondouki qui va écarter à nouveau pour Nomenjanari qui doit se mettre sur son pied gauche, qui va temporiser. Il va entrer à l'intérieur, il y a une petite faute peut-être sur lui, mais il continue, il reste debout et il revient derrière jusqu'à Kishi. C'est dommage finalement, presque, j'ai envie de te dire qu'il ne soit pas tombé sur cette action parce qu'il y aurait un bon coup franc et on repasse à l'opposé par Thomas Delen. Ah, il était un peu dans le dos cette basse vers Edmond Akishi, ce qui a un peu cassé le rythme de l'action, mais. Encore une fois, on a vu ce super ballon hein, de Cyril Mondouki qui non seulement s'est placé entre les lignes, et en plus a su la donner derrière à Nomenjanari dans le dos d'Endika qui souffre un petit peu en ce début de match. Mais en tout cas, la touche, le jeu se passe de l'autre côté du terrain avec nouvelle perte de balle de l'ancien Dunkerquois, Malik Choukounté qui va même concéder la touche. Un peu en difficulté de Choukounté, après il faut dire qu'il a un rôle qui n'est pas facile, le rôle d'attaquant d'appui là où d'habitude on choisit la profondeur avec Etchimi avec, ou avec même Julien Lopez plutôt dans la construction. Là on a fait le choix de l'attaquant de remise hein, avec Malik Choukounté qui est un peu isolé hein, sur le front de l'attaque parce qu'on le sait, hein, Nomenjanari et Alain Ibaza surtout qui aiment bien dézoner. Mais là c'est Cyril Mondouki qui s'est projeté dans la surface de réparation, il va peut-être pouvoir accélérer devant le défenseur central au Serrois, Yaya Sané, c'était finalement la sortie de Zachary Boucher. Mais encore une fois on a trouvé Cyril Mondouki en position d'avant-centre. Oui c'est vrai, Cyril Mondouki, on en parlait tout à l'heure Antoine, mais là on a vu encore une bonne passe à l'Ibaza, on cherche... quelque chose, moins une touche de balle, mais que ce soit directement en profondeur et trouver des espaces. Et si Mondouki a fait cet appel, c'est que tout le monde peut en faire un côté parisien avec le point d'appui qui est Malik Choukounté en attaque. C'est très intéressant. Alors qu'on voit là-bas Tak Alfred rater sa passe complètement et ça revient dans les pieds de Thomas Delaine. Ouais, Thomas Delaine revient derrière avec Fred Bong sur Ousmane Sidibé. Sidibé avec la Nomenjanari qui laisse passer involontairement, mais ça arrive finalement jusqu'à Cyril Mondouki. Plein axe droit, il a du champ. Mondouki, il a réuni la surface de réparation juste entre le Cyril Mondouki. C'est contré. Paris FC, corner pour le Paris FC, le premier de la rencontre. C'est improbable, mais qui montre la position des Parisiens intéressante, c'est que même Mondouki avec un ballon qui est passé au vide par rapport à un écran étrange dans le tiroir, il récupère le ballon même si sur centre il y a rien à faire et corner à suivre pour le Paris FC. Et Alain Ibaza qui s'empare du ballon, qui va le poser sur l'arc de cercle. Pendant que l'hélico du périph passe. On vous donne tous les détails évidemment pour la région parisienne, mais si vous l'entendez des fois dessus nous, c'est normal. Non mais c'est vrai, quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Allez, le corner, entre tiré par Alain Ibaza, ça va être sortant puisque sur la droite, sur ce moment de but de Zachary Boucher, c'est parti, c'est tiré. Entre tirage de réparation, il y a eu un petit peu du tirage de maillot. Et Monsieur Rabit qui a sifflé une faute. Je sais pas où était la faute, mais je sais que Samy Mouz a fait bien tout seul au point de pénalty quand même. Hein. Complètement, ouais. Ça on en est sûr. Peut-être qu'elle partait de là la faute côté parisien. Mais en tous les cas, voilà, on essaie aussi de travailler un peu plus les coups de pied arrêtés du côté du PFC. Et Zachary Boucher va pouvoir se dégager un peu plus tranquillement sur cette action. Un quart d'heure de jeu ici au Stade Charletti, 0-0 entre le Paris FC et la JOCR. Et on a toujours envie de commenter notre premier but du PSC cette saison. Toi. Ouais, parce que pour l'instant. Même le 20ème s'ils veulent dans le même match, mais bon. Vincent, on le rappelle, hein, le Paris FC qui n'a inscrit que deux buts à l'extérieur lors du match contre Bourg-Perona. Alors que même s'ils n'ont pas démérité, pas de but contre Le Havre, pas de but non plus contre Brest, pas de but non plus. Contre Clermont
la semaine dernière et pas de but non plus à Clermont de la première journée. Voilà. Jamais, Clermont. Mais des buts encaissés malheureusement. On rappelle les résultats 3-0 contre le, un 3-0 sévère contre le Havre. Un 2-0 également sévère mardi dernier, vous l'avez vécu sur Jour de Sport contre Clermont. Et un 2-0 également contre l'AS Ajaccio à l'extérieur. Il faut pousser, il faut pousser. Ousmane Sidibé qui va mettre cette touche là-bas pour Choukounté de la tête qui remet jusqu'à Mandou qui s'est bien vu. Mandou qui allait, ah il va tenter petit pour moi quand même avec le compte favorable, il va avoir le cœur à l'opposé. Et c'est bien vu pour Sidibé. On continue à rester dans le petit espace et c'est bien à glisser. Et on va s'en sortir avec le corner pour nos Parisiens. Un peu chanceux. Mais il y a encore des glissades. Mais alors c'est ce qu'on évoquait le point météo avant le match. Voilà. On sait que ici. On retrouve notre Seth Charletti qui ressemblait plus à. Il y a du Brian Joubert dans le texte. C'est ça. Ça y va tout. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps sur Jour de Sport, vous le savez, hein, le Stade Charletti. Ça glisse. On a souvent eu des, matchs à glissade. Ah oui. Des fois plus de glissade. Il aurait pu avoir des notes. Tirs au but, allez, le corner pour Alain Ibaza. C'est parti, c'est nous tirer au premier poteau cette fois-ci. Ça revient sur la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Malik Choukounté. Il est trouvé au premier poteau avec un peu de réussite. Et il a réussi à contrôler ce ballon au physique. La couverture du ballon, elle est bonne. Il se retourne, la frappe en pivot. Premier poteau, et ça rentre. Zachary Boucher qui ne couvre mal son premier poteau, le défenseur au premier poteau qui n'y est pas non plus. Ouverture du score pour le Paris FC, c'est pour Malik Choukounté, et le voilà, le premier but du Paris FC. On l'a demandé Antoine, on l'a demandé 1-0 pour Paris ici, au stade Charletti sur ce but de Choukounté qui s'est défait au premier poteau. Il allait faire contrôle orienté, et le pointu, il est masqué Zachary Boucher, parce qu'elle est peut-être un peu aussi sur sa trajectoire, mais il est masqué au début, ça fait 1-0 pour Paris, et Malik Choukounté qui ouvre ce compteur but. 17 minutes de jeu, 1-0 pour le Paris FC face à la JOCR. Je sais pas si parce qu'on fête la libération de Paris aujourd'hui que peut-être les clubs de la capitale ne peuvent pas perdre. Peut-être tout mal qu'on va souhaiter pour toi après pour Paris G face à Saint-Etienne. Mais en tous les cas, pour le moment, le PFC mène 1-0. C'est un sentiment grave sans que ce soit le meilleur début de match, même peut-être le plus mauvais qu'on a vu du PFC ici. Alors, plus mauvais. Il n'est pas nul le début de match. C'est vraiment qu'on en a eu des bons par le passé. Non, le Havre, j'exagère. Le Havre, il était une première mi-temps difficile. Mais c'est pas le meilleur passage en jeu du PFC. Mais là, il y a de l'efficacité et ça vient d'un coup de pied arrêté. Fabien Marcadal l'avait dit, notamment après match à Ajaccio, c'est pas possible d'avoir autant de corners et pas en profiter. Et là, c'était le cas. Je sais pas si c'est volontaire de trouver Choukounté comme ça parce qu'il était vraiment rasant au premier poteau. Mais en tout cas, ça permet au Paris FC d'ouvrir le score. Bah, tu nous avais signalé, Gab, plutôt que les. Les joueurs du Paris FC ont énormément travaillé le coup de pied arrêté hier à l'entraînement. Et pour l'instant, ça paye alors que. On va en profiter pour faire le petit point score. Le premier de la première période à la 18ème minute de jeu alors que le Paris FC vient d'ouvrir le score. On le rappelle, un par mail de Choukounté sur un corner. Du côté des autres stades de cette Domino's League 2, il y a toujours 0-0 entre Bourg-Perona et le Gazélec Ajaccio. Même score entre le stade brestois et la Estancy Lorraine. Attention parce qu'Alain Ibaza a été trouvé entre eux. Il y a Alain Ibaza qui va progresser. Il est stoppé. Ouh, c'est avec un bloc de basket ça. C'est un écran. Stoppé avec autorité par Tac Alfred, on va reprendre donc. Je m'en étouffe tellement que j'ai pas l'habitude de voir ça. 0-0 entre QRM et Clermont Foot, un but à 0 pour la Berrichonne de Châteauroux avec, face à des malheureux Sochaliens puisque ils sont à 10 depuis la 13ème minute et l'expulsion de Adolphe Teike. Et dès la 5ème minute ils ont concédé un CSC de ce même Adolphe Teike qui est décidément un match cauchemar à oublier. Ouais, c'est pas drôle d'en rire mais des fois. Et un but à 0 pour la C Ajaccio à Tours. But de Moussa Mehazou et 0-0 entre Valenciennes et le Chamois Niortais. On le rappelle, hein, ce sont les matchs qui se jouent ce soir. Mais demain à 15h, il y aura le FC Lorient qui recevra le Stade de Reims. C'est lundi 20h45, US Orléans, RC Lens. En tout cas ici à Charletti, premier but du Paris FC à domicile. Et ça c'est fait du bien pour le moment. Contre la GSR et ça fait du bien. Même si il reste du temps. Allez. On a presque envie de dire le deuxième, mais ce serait presque trop gourmand. Mais s'ils veulent le faire, il n'y a vraiment aucun souci pour nos joueurs du PFC. Alors que là, pour l'instant, ce sont les Auxerrois qui ont le ballon, qui tentent de contrôler. Avec un Paris FC qui n'avait jamais marqué dans cet intervalle. Il faut récupérer le ballon, là, il y a un beaucoup franc. On essaye aussi d'aller chercher le pressing sur ces actions-là. C'est assez intéressant côté. Parisien, Mbeza, là, il va vite couvrir au pressing derrière et ça va essayer de coordonner une attaque peut-être. Et Samiou va bien revenir, il y a forcément le pressing de Montiel et on essaie de se sortir. C'est là où on va voir aussi si le FC est intéressant et c'est justement très intéressant de se sortir une touche de balle sans trop de difficultés. Foot de Tac Alfred dans le camp parisien sur Malik Choukounté pour dire que le bloc était quand même au serrois assez haut, le bloc parisien assez bas. Ouais, Malik Choukounté qui était redescendu pour prendre cette balle. Ce qui est intéressant, c'est que Malik Choukounté était certes bas, mais on avait un cran plus haut, Alain Ibaza et Nomen Janari. Qui était prêt déjà à recevoir une déviation de leur attaquant. Et puisqu'on parle de faute, on n'a pas fait le petit point sur l'arbitre de cette rencontre.
Monsieur De Chopy qui, tout comme le Paris FC, est un promu cette saison. Il a officié en national la saison dernière avec 19 rencontres arbitrées, 74 cartons jaunes, 5 cartons rouges. On a une moyenne environ de presque 4 cartons jaunes par match pour Monsieur De Chopy qui arbitre son troisième match de Minus League 2 ce soir. Pour l'instant, au compteur, 8 cartons jaunes. C'est plutôt... plutôt dans la moyenne des arbitres avec 2 cartons jaunes par match. Ah, on part jusque loin de partir en 2 secondes parce que sinon je risque d'oublier ce petit moment où là je crois que c'est une fausse touche de Thomas Delaine, c'est-à-dire il suffit d'avoir les talons décollés, je rappelle, pour que ce soit considéré comme une fausse touche. L'arbitre ne signale pas tout le temps, mais là on parle peut-être aussi des petits signes de mon expérience du PFC sur ces cas-là. Même si ça peut arriver à des plus hauts niveaux, on ne sait jamais, évidemment, il n'y a pas d'exception ou de règle pour ce genre de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant à souligner, Gab, c'est que. Les fausses touches sont très rarement sifflées. Parce que des fois, on en voit des sympathiques. Ah, hein, ouais, ah oui, ah non, mais, ou même en Ligue 1 Conforama désormais. Ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai le souvenir en jeune, au pauvre niveau que j'ai pu jouer, qu'on nous les sanctionnait à chaque fois. Après, c'est normal, on apprend aussi à des jeunes à le faire, évidemment, à des joueurs de plus petit niveau. Mais c'est vrai qu'en pro, bon, bref, si tu signales tout en pro, c'est aussi l'appréciation. Hein. Les tirages de maillot, on l'avait fait au début de la saison 2017 en Ligue 1, ça donne des PGE avec des pénaux dans tous les sens. Ah, bien sûr, mais les touches, c'est quand même un. Oui, on un est d'accord. Un point de règlement qui est très très précis. Le tirage de maillot, bon, on peut laisser un petit peu de place pour laisser le jeu se jouer, mais sur une touche, c'est une phase arrêtée. Et il faudrait quand même signaler que des fois, autant quand c'est un petit peu les pieds un petit peu décollés, être coulant, pourquoi pas. Mais des fois, on voit des touches qui sont complètement ratées, c'est-à-dire de ballons qui ne passent pas derrière la nuque, qui est un point de règlement quand même très important, ou des pieds vraiment décollés du sol complètement. Et ah c'est plus le niveau monte et moins c'est sifflé. Non, c'est clair. C'est à noter, après ça dépend, c'est difficile à l'arbitre aussi, et je comprends pour le coup de la siffler s'il reste une dernière touche à une seconde pour un but, et là il la siffle et rend le ballon à l'adversaire. C'est une question de contexte à chaque fois et d'appréciation, forcément, surtout que c'est un peu comme du sur longueur, c'est-à-dire il suffit que ce soit d'un centimètre décollé, mais tu peux pas forcément le voir, faut que ce soit évident. Là ça devait être évident, évidemment, logique d'être sifflé dans le cas de cette fausse touche de Thomas Delaine il y a de ça 3 minutes. Et on a dépassé les 23 minutes de jeu. Ici au stade Charité, 1-0 pour le PFC. On vous le rappelle parce que ça fait plaisir, même si vous l'avez le petit cadran grâce à toute la technologie que nous arrivons à développer ici à Jour de Sport, et grâce à toi Antoine qui gère ça ce soir, du PFC qui mène 1-0. Mais ça fait bien 23 minutes de jeu ici au stade Charlety. Le Paris FC qui tient le ballon depuis quelques minutes avec la Cyril Mandou qui pense avec Chokunte en position haute et qui est obligé de revenir sur ses pas avec Redon Kirouche qu'on a assez peu vu dans ce début de match ancien de l'US Lutanos, mais là il a bien orienté sur Sami Yohou qui a trouvé Alain Ibaza entre lignes, ça a fait Alain Ibaza dans le cœur du jeu, obligé de revenir vers l'arrière avec Edmond Kishi, Redon Kirouche à nouveau, on cherche une solution, on va revenir complètement jusqu'à Vincent Demarconnet pour essayer de faire remonter un peu ce bloc au Serrois qui était descendu très bas, et Demarconnet qui allonge le côté vers Ousmane Sidibé. C'est bien fait, ça est le bon contrôle d'Ousmane Sidibé, même s'il ne permet pas de prendre le dessus sur Ndika qui a pu récupérer cette balle et dégage loin devant. Mais le Paris FC qui va récupérer, non, c'est avec Montiel et la superbe retour de Cyril Mandouki encore. Mais chaque Parisien, dès qu'un coéquipier est en difficulté, vient le suppléer. Physiquement, ce match-là, il est intéressant parce que pour le moment, PFC tient le coup. Et c'était pas forcément le cas, et quelque chose dont on avait peur aussi début de saison physiquement. Et là, pour le moment, ça tient le coup côté parisien. Attention à cette mauvaise passe de Redouane Kerouche qui va pas aller dans le sens du jeu, dans les pieds au Serrois avec Mickaël Takalfred qui peut récupérer ce ballon. Oh là, et du côté de Serre dans l'entrejeu, c'est quand même assez compliqué sur ces phases de jeu. Ouais, c'est assez surprenant. Tu le disais, on voit les Auxerrois un peu presque naïfs sur certaines phases de jeu. Qui est un peu trop facile, alors que pourtant, leur effectif compte quand même des joueurs expérimentés. On pense bien sûr à Takalfred qui a quand même 36 ans, Mickaël Takalfred. Mais il y a également Yaya Sané, 28 ans. On a Adeoti qui est 28 ans également. On a Romain Philippe Poteau, 29 ans. C'est des joueurs d'expérience et qui ce soir se font un petit peu avoir par l'équipe parisienne, même s'il y a aussi des jeunes joueurs dans cette équipe. D'Auxerre, et là c'est un expérimenté qui vient d'obtenir un corner puisque c'est Ludovic Obraniak qui a obtenu le premier corner auxerrois de cette rencontre. Côté droit, si on se met en face du but de Vincent Demarconnet, il va s'en charger lui-même, le gaucher. Attention danger Antoine, c'est parti, c'est tiré au premier poteau, ça sera un peu dans la surface de réparation, c'est finalement repoussé par une tête, c'était celle de Cyril Mandouki, et le compte désormais avec la line de Medjana Harry accroché.
Pariaïa. Ce qui est intéressant sur cette action, on voit dans l'élan la Mbaza qui arrive, je sentais la faute arriver parce que là aussi il fait preuve de maturité sur cette phase de jeu. D'anticiper le fait que dans son dos ça va revenir ici, dans ton élan, tu anticipes un petit peu ce coup-là, tu sais que tu vas avoir la faute. Et là, tout de suite, monsieur l'arbitre revient à l'ordre en parlant à Touré et Mbaza, mais tout a l'air d'aller bien. Mais du coup, ça permet à ton équipe de te remplacer et d'avoir derrière une phase de jeu. Pourquoi pas le ballon, la possession, mais plus d'être sous pression après un corner. C'était bien défendu de la part des Parisiens. Ouais, très bien défendu de la part de défenseur auxerrois. Mais ça fait un coup franc pour le Paris FC dans sa moitié de terrain. Ousmane Sidibé qui est allongé. On cherche bien sûr la tête de Malik Tchokounté. Et Tac Alfred qui intelligemment va pousser un tout petit peu l'ancien Dunkerquois dans le dos au moment de son appui. Ce ballon est revenu jusqu'à Zakaria Boucher qui a pu relancer court. Le ballon dans les pieds de Goujon. Avec une première phase de possession hein, pour les Parisiens avec Edeoti, peut écarter côté gauche. Avec Ndika, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Auxerre sur ces phases de possession. En général, ils cherchent plutôt sur des longs ballons et c'est encore le cas. On cherche sur les côtés gauche Romain Philippoteau. Philippoteau face à Ousmane Sidibé. Il a réussi à empêcher la sortie, mais super récupération d'Ousmane Sidibé qui va pas prendre de risque. Et mettre ce ballon en touche, l'ancien de l'US Orléans. Touche pour la JSR. Au niveau de la surface de réparation parisienne, c'est pour Ndika. Ouais, cette touche justement qui va être faite par Ndika. Qui va avoir une longue touche et les pieds bien collés au sol. Du coup, ça m'a donné presque l'habitude de vérifier. Sinon, ça va revenir dégagé par Akichi, justement. Année pour Enika qui va faire cette touche. Côté Auxerrois. Et c'est, là, c'est un petit peu glissé des mains. Ça va quand même revenir. Attention, peut-être dans la dernière surface de réparation là-bas. Bon, au second poteau, une grosse occasion pour les Auxerrois. Et c'est complètement raté du pied gauche. C'est de frappe d'Adeoti. Et. Grosse situation plus qu'occasion quand même, parce que alors là ça a fini un peu en cacahuète. Mais ce qui est dangereux, c'est que juste sur une touche, en 2-3 touches de balle, une touche, 2-3 touches de balle, c'est le même mot mais pas la même séance. Auxerre arrive à plus ou moins se prendre dans le but, mais par contre, dans le dernier geste, dans l'anticipation, personne n'a tremblé à Charletti hein, quand ils ont vu le pied partir. Ah ouais, parce que, mais quand même, on peut noter que tu l'as dit, le fait que les Auxerrois se sont retrouvés quand même en situation de frapper sur une touche qui quand même n'est pas à la base une situation dangereuse. A trouvé Montiel premier poteau dans la surface de réparation qui en couverture de balle un peu justement à la manière de Malik Tchokounté tout à l'heure a pu se retourner, servir en retrait Ludovic Obraniak qui a pu décaler son partenaire, c'était Adeoti. Alors heureusement Adeoti qui s'est remis sur son pied gauche, il avait peut-être la situation hein, de frapper sur son pied droit, il a choisi de se remettre sur le gauche pour s'ouvrir un peu plus l'angle de frappe, il a complètement raté ensuite son geste technique. Mais Redon Kirouche là qui rate son interception et ça peut faire une action pour les Auxerrois avec la montée de Goujon. Goujon côté droit, Goujon qui a deux Parisiens face à lui, dont Redon Kirouche justement. Obligé de revenir en retrait, on va trouver dans le cœur du jeu Touré. Touré, le pressing de Cyril Mandouki, et c'est de moi Kishi, pardon, qui est au pressing. Mais il ne récupère pas cette balle et là il va c'est réussir bien, à la récupérer. C'est Mohamed Janari qui peut-être pourquoi pas récupérer cette balle. Et le bon tacle en barrage. Oh super, Mohamed Janari qui va tout faux pressing comme c'est le terrain. Qui arrive à récupérer la balle, Akichi avait fait pareil avant. On monte sur le porteur du ballon au moins un joueur. C'est pas mal ce que font les Parisiens sur cette phase de jeu. Et derrière on arrive à avoir une situation pour le PFC avec une touche pour Ousmane Sidibé là-bas au 35 mètres des cages de Zakari Boucher. Et Ousmane Sidibé, il a la proposition d'Alain Baza. Est-ce qu'il va plutôt chercher Cyril Mandouki? On réfléchit pour l'instant. Et on cherche finalement Mohamed Janari qui s'est proposé, bien joué ça, avec Tchokounté au jeu. Tchokounté qui peut décaler Redon Kirouche, c'était pas dans les bonnes situations là. Redon Kirouche qui était déjà pressé avant même de recevoir la balle. Il a essayé de faire sauter ce ballon au-dessus de la défense. C'est finalement sorti en sortie de but. Parce que personne n'avait fait l'appel. Alors qu'on arrive déjà à la demi-heure de jeu à Charletti. On le rappelle, le score ici, 1-0 en faveur du Paris FC. Un but de Malik Tchokounté à la 18e minute de jeu. Et sur les autres terrains de Dominos League 2, toujours 0-0 entre Bourg-Perona et le Gazaïac Ajaccio. 0-0 également entre le Stade Brestois et l'AS Nancy-Lorraine. Même score entre Nîmes Olympique et le Havre. 1-0 pour Châteauroux face à Quevilly-Rouen Métropole. Ludovic Ajorc qui a ouvert le score. 2-0 désormais pour Châteauroux. 2-0 pardon pour Châteauroux face à Sochaux-Montbéliard. C'est Clermont pardon qui avait ouvert le score face à Quevilly-Rouen Métropole. J'ai regardé un petit peu trop bas, donc c'est on rappelle hein, Quevilly-Rouen Métropole 0-1 Clermont Foot, but de Ludovic Ajorc. 2-0 désormais pour la Biarrichonne de Châteauroux face au FC Sochaux-Montbéliard. On rappelle les Sochaliens qui sont à 10 depuis la 13e minute de jeu après l'expulsion d'Adolphe Teike qui avait marqué contre son camp dès la 5e minute de jeu, et Sidi Sarr qui a doublé la marque pour les Castelroussins à la 29e. 2-0 également
pour la C Ajaccio face à Tours. Moussa Mazou qui avait ouvert le score à la 12e minute de jeu et Ghislain Gimbert qui a doublé le score à la 23e. Et un but à zéro pour Valenciennes face à Saifidin à la même base à la balle entrée la surface. Saifidin à la base à la frappe du pointu, elle est contrée et ce sera dégagé par la défense serroise là-dessus. Ça va pas finir Kadun Karouche qui va tenter une sorte de coup de sombrero remise retrait centre. Ça ne donnera rien et touche pour le PFC. Et on termine donc rapidement puisqu'on avait quasiment terminé. Valenciennes qui mène donc, on le disait, un but à zéro face au Chamonix Niortais, un but de Laurent Dos Santos. Allez, le Paris FC à l'attaque avec Malik Chocontedo, but d'interférence de réparation. La frappe de Thomas Delaine, elle est contrée par le coude. Non, de. Oh, attention là, elle a relâché cette balle. Zachary Boucher, en tout cas Thomas Delaine qui est à 30 mètres, qui rentre sur son pied droit et qui tente sa chance enroulée. C'est contré par un Auxerrois et Zachary Boucher qui n'a pas réussi à se servir de. À se saisir, pardon, de cette balle, qui est obligé de la capter en deux temps. Alors, heureusement pour lui, il n'y avait aucun Parisien dans le coin et il était assez avancé pour ne pas concéder de sortie de but, de corner pardon. Mais en tout cas, nouvelle situation pour les Parisiens et là, parfaite couverture de balle de Samy Yohou pour obtenir le 6 mètres. On va faire un petit point, un dernier, à noter que pour le moment, Avranches et Red Star font 0-0 en national. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, le Red Star pour l'instant deuxième de national suite à assez excellents résultats. Effectivement. Du début de saison et la semaine prochaine, les Odoniens qui sont exempts, c'est le cas cette semaine des Cristoliens que l'on retrouvera justement la semaine dernière, la semaine prochaine sur Jour de Sport. Tu peux les retrouver la semaine dernière aussi. La semaine prochaine, vous les avez entendus la semaine dernière grâce à Daniel Marquez et vous les retrouverez la semaine prochaine à Duvauchel face à Grenoble. Et on revient au terrain puisque c'est dans la ligne Nomenjanari qui est en position du ballon au poteau de corner. La bonne récupération là du défenseur auxerrois. Alors que qu'est-ce qu'on signale là côté du côté de monsieur de Chupi, c'est la faute d'un joueur parisien et de Lalaina Nomenjanari. Et le coup franc pour Auxerre, donc c'est la carrière bouchée au niveau de sa surface de réparation côté gauche. Qui va pouvoir se dégager sur cette action. La carrière bouchée, alors on va noter quand même une bonne centaine de supporters auxerrois. Oui, gros déplacement des joueurs auxerrois, des supporters auxerrois. On sait que la Bourgogne, c'est pas très loin. Mais c'est quand même un trajet à faire. Et une bonne centaine, là tu l'as dit, qui ont occupé toute la partie haute du parquage de Charletti. La partie basse étant fermée. Oui, du coup ça permet de recréer un bloc, effectivement. Content de le noter sur ces passages-là. De Marconnet à le ballon, on lui remet en retrait, il peut se dégager. Oh, faute peut-être sur Mike Choucouté, n'a rien dit monsieur l'arbitre. Et Mikael Takafel va récupérer le ballon. Sur cette action, 33 minutes de jeu, vous le voyez à l'écran, 1-0 pour le Paris FC. Attention à ce long contrôle là-bas, et peut-être un ballon pour Choucouté. Choucouté va sur la droite, ça va être un petit peu lent peut-être sur cette action, mais Choucouté le crochet, il va rentrer à la surface. La frappe du gauche, elle est contrée. Elle va le filer juste à côté du but de Zachary Boucher. Quel dommage sur cette action. On n'était pas loin du 2-0 pour le PFC, et Choucouté qui était pas loin de doubler la mise aussi. Ouais, Malik Choucouté, la bonne action côté droit. Alors c'est un faux lent, Malik Choucouté, il a traîné son long corps jusqu'à la surface de réparation en rentrant sur son pied gauche et la frappe enroulée qui visait le côté opposé, la lucarne opposée. Et finalement, elle est contrée au premier poteau par Yaya Sané. Et elle a failli tromper Zachary Boucher, corner pour le Paris FC donc, avec Saifidine Alain Baza. Le premier a été salvateur pour les Parisiens de corner. Et là, Saifidine Baza qui va le tirer à nouveau, peut-être encore une fois au premier poteau. Voilà, Choucouté qui a coupé au premier poteau. Est-ce que ce sera un nouveau corner ou un 6 mètres, monsieur l'assistant? Notif 6 mètres, mais apparemment, effectivement, on est allé sur cette phase de jeu-là côté parisien. En tout cas, on vous le rappelle, hein, bien sûr, vous pouvez réagir sur ce match, sur le chat YouTube de la vidéo. On lira vos messages. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous faire part de vos remarques, de vos réactions. Et tiens, j'ai un petit quiz pour vous qui nous écoutez en ce début de rencontre, et pour toi également, Gabriel Lemont. Putain. Deux joueurs sur la feuille de match ont remporté des championnats un petit peu exotiques, ont été champions. Que ce soit, il y en a un côté Paris FC et un du côté de d'Auxerre. Sur la feuille de match. Sur la feuille de match, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous sur le terrain. Regardez sur le bandeau remplaçant, mon ami. Quand regardez également sur les bandeaux remplaçants. Répondez donc dans le chat YouTube ou bien sûr sur Twitter, vous pouvez réagir et répondre donc à ce petit quiz sur le Twitter avec le hashtag LiveJDS, JDS Live pardon, ou en mentionnant le compte @jour de sport
N'hésitez pas à nous contacter, on lira bien sûr vos messages. Et donc à répondre à cette petite question, on donnera la réponse au retour des vestiaires. Et pour l'instant, le ballon est pour les Auxerrois avec une nouvelle touche longue. Côté droit, c'est pour Goujon qui la met dans la surface de réparation. C'est dévié au premier poteau et ça va arriver jusqu'à Vincent de Marconnet qui va se coucher tranquillement. 36e minute de jeu ici à Charletti, toujours 1-0 pour le Paris FC, un but de Malik Choukounté à la 18e minute de jeu sur un corner tiré par Saifedine Alain Ibaza. Effectivement, des joueurs parisiens donc qui mènent au score. Ça fait du bien, on va le dire, ça fait du bien pour les Parisiens de mener 1-0. Et pourquoi pas plus avec Choukounté, la passe de son cible appliquée pour Ousmane Sidibé. Peut-être dans la surface de réparation, c'est poussé là-bas du bout du pied justement par la défense. Auxerroise et corner à suivre pour le PFC. Allez, c'est Saifedine Ibaza qui va tirer peut-être au premier poteau. Finalement, ça a l'air peut-être d'être fait exprès parce qu'il l'a refait la même. Mais je pense que... Alors, est-ce que ça vient de quelque chose de volontaire ou pas? C'est toujours difficile à savoir sur ce genre de situation. Et corner à suivre pour Saifedine Ibaza. Saifedine Ibaza qui va tirer le corner là-bas. C'est coupé au premier poteau par un défenseur auxerrois. Ça va revenir sur lui. Il va faire un superbe contrôle. Saifedine Ibaza, il est en 1 contre 1. Le passement de jambe peut-être. Et là, ça va être un petit peu long. Le ballon semble être sorti. Oui, monsieur l'assistant confirme que le ballon est sorti en 6 mètres. Ouais, nouveau corner très bien tiré par Saifedine Ibaza. Et c'était dégagé par la tête de Deotti. Heureusement pour Auxerre, parce que c'était à nouveau très bien tiré, tu l'as dit Gabriel. Les Auxerrois qui peinent à exister hein, pour l'instant dans cette rencontre. Le Paris FC qui a mis le pied vraiment sur le ballon et qui met une pression constante en fait. C'est pas vraiment des grosses actions mais des petits ballons vers l'avant. Quand ça marche pas, on prend le temps de revenir vers l'arrière. Et toujours pour mettre la pression sur cette équipe auxerroise qui n'arrive pas à sortir cette balle proprement. Même si là justement ils réussissent à le faire, il suffit que je le dise. Pour que Montiel qui est descendu très bas puisse changer de côté, côté droit avec Adeotti pardon, qui écarte Ludovic Obraniak revient avec Adeotti. Adeotti qui a tenté sa chance de loin, non, il a réussi à trouver Obraniak la chance de réparation, le 1-2 c'est bien fait, la frappe d'Obraniak et la parade de Marconnet, c'est resté dans la surface et c'est dégagé finalement par Thomas Delaine. Mais voilà, évidemment on disait qu'ils avaient du mal et une action construite auxerroise avec les deux anciens, Julien Adeotti et Ludovic Obraniak, qui réussit à se mettre sur son pied gauche et à solliciter le portier parisien. Exactement, c'est pas la première fois, hein. Il est pas mal sollicité quand même par rapport à d'autres matchs comme Ajaccio ou Vincent de Marconnet. Pour moi il est impérial, le portier parisien qui va pouvoir se dégager. Attention côté parisien, on va parler plus le temps avancé de mettre ce deuxième but hein, quand même hein. Ouais, soulagerait pas mal. Ça serait bien pour éviter quelques surfroides en fin de rencontre. Ah bah là déjà, on en a une à la 38e, je vous laisse imaginer tout le temps qui reste. Parce que pour vous parler un petit peu du côté statistique, alors bien sûr ça ne veut pas dire grand chose, hein, mais du côté Paris FC, la période forte se situe en première période avec seulement un but encaissé au niveau défensif, hein, je parle avec seulement un but encaissé. Et la période faible, c'est en seconde période, parce que la seconde période, le Paris FC pour l'instant, c'est 0 but marqué, 5 buts encaissés, dont 3 à domicile. C'est le premier but à domicile de cette saison, et oui. Voilà. Et on parle seulement en championnat, bien sûr. Les statistiques Coupe de la Ligue ne sont pas prises en compte dans ces changements. Donc là, changement de côté compliqué, là, côté Auxerre. Oula, la passe en retrait d'Adeotti qui a failli glisser sur la pelouse d'Adeotti. Mettre d'ailleurs en difficulté Zachary Boucher, qui était à l'opposé de la surface de réparation et qui a failli glisser sur son appui, tu l'as dit. Ça aurait été le compte sans camp le plus ridicule de ce début de saison côté Domino's League 2, parce qu'on en a vu un pas mal dans un autre championnat. Effectivement, là, ça a toujours un peu le danger, c'est que la piste datée derrière, là, pas forcément une tribune comme à l'anglaise, mais bon, pour les appuis, ça change complètement. Là, le ballon est sorti en touche sur cette longue passe pour Philippe Otto et va permettre à CDB sur la touche, et Philippe Otto qui met... remet le deuxième ballon sur le terrain pour empêcher que Sidier puisse jouer vite, puisqu'avec deux ballons sur le terrain, on n'a pas la possibilité évidemment de jouer, mais l'arbitre doit faire arrêter. Et comme ça, il peut se remplacer. Un autre petite statistique comme ça, le Paris FC qui, comme lors de ses dernières rencontres, est devant à la possession avec 53% de possession contre 47% pour les Auxerrois. Attention parce que là, il y a une glisse d'un défenseur auxerrois qui a accroché. Là, il y a Nanomejanari. C'était Yaya Sané.
coup franc à suivre pour le PFC. Finalement, on va peut-être le mettre en boîte. Si Sidibé qui va peut-être envoyer un long ballon pour les Parisiens. Il était plutôt bien tiré, hein, le premier coup franc d'Ousmane Sidibé à peu près au même endroit. On est à 5 mètres après la ligne médiane. C'est parti, on cherche bien sûr la grande taille de Malik Chokounte, on va la trouver en remise. La remise est un peu compliquée à contrôler parce qu'elle est très haute. Ça va revenir sur Edmond Akichi qui a raté sa remise à Edmond Akichi. Et c'est Touré qui part en contre. Touré, il a le décalage côté droit de Ludovic Obraniak. Ça va être contré par un Parisien. On touche bien, pour Auxerre. Alors là, quand Akichi a perdu le ballon, il aura pu avoir encore des situations côté Auxerrois. Alors, on en parlera après, mais il y aura peut-être la minute rire et chanson ou comédie. C'est possible. Si vous avez écouté contre l'entente, vous saurez pourquoi. En attendant, excusez-moi de cette petite apathie qui n'a rien à voir évidemment, mais au moins c'est pour faire preuve du sens de l'humour qu'à tous les gens qui viennent au stade sur l'été ici. Avec la Légion Auxerre qui va pouvoir avoir ses touches au niveau de la surface de réparation là-bas, la mettre dans la surface était très dangereux tout à l'heure. C'est pour ça qu'on voit Akichi redescendre carrément à la surface, mais le problème c'est que ça laisse de l'espace à l'entrée de la surface, du coup c'est pas pour les Auxerrois. Bien capté par Vincent Marconnet sur ce centre Auxerrois. Et là, on va se dégager avec un long ballon de Marconnet jusqu'à Nomen Janari, peut-être là-bas. Ouais, Nomen Janari, qui n'a pas réussi à contrôler cette balle, il a été pris de la tête par le jeune Evan Ndika, seulement 18 ans, et il fait un gros match hein, déjà. Le joueur Auxerrois, Ndika, qui est un pur produit de la maison, a passé par les U19 de la Géosserre, puis par l'équipe B, on est arrivé en équipe première la saison dernière, cette saison, pardon, au début de cette saison. Et pour l'instant, il fait le travail hein, côté gauche. À noter qu'ils sont plusieurs hein, de la formation auxerroise à être présent dans le groupe pour cette journée. On a Ndika, on a Ken Ivan Boto également. Il y a aussi Loïc Goujon ainsi que Moussa Diallo. Enfin bref, la formation auxerroise qui est présente hein, sur la pelouse et sur le banc des remplaçants. Et là, c'est Goujon justement qui va pouvoir centrer au second poteau, voire même au troisième poteau. Parce que ce ballon va sortir en sortie de but, non, il est empêché même de sortir aux touches par Philippe Poto. Et là, c'est Ousmane Sidibé là, qui a l'impression de se On a les optiques aussi, Antoine, on vous rappelle, parce que là, on pensait qu'elle a été sortie 3000 fois dans tous les sens, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça a été dégagé donc par Ousmane Sidibé, mais c'est revenu dans les pieds auxerrois, c'est de Yaya Sané au milieu de terrain. Ah, mais auxerrois là-bas sur la gauche qui vont savoir ballon avec Dika qui peut trouver peut-être là-bas Adeoti. Alors, une faute sur Adeoti, offrir un bon coup franc aux auxerrois derrière. On va mettre un coup franc en direct dans la boîte, à suivre pour la Géosserre avec la patte de Ludovic Obraniak. Attention, danger sur la cage parisienne. Ah, Ludovic Obraniak, un très bon tireur de coup franc. On le sait depuis longtemps, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir, mais on a forcément, personnellement, un de certains coups francs qui me revient en mémoire. Celui inscrit en finale de la Coupe de France avec le LOSC contre Là, contre ce le serait difficile de le mettre direct. Hein. Là, ce serait difficile parce que c'est pas du tout la même position. Mais quand on parle coup franc et Ludovic Obraniak. C'est surtout pas le bon côté sortant pour Ludovic Obraniak, c'est surtout ça. Quand on parle coup franc et Ludovic Obraniak, c'est forcément le souvenir qui vient en mémoire. On reviendra un petit peu plus tard en détail hein, sur la carrière de Ludovic Obraniak. Pour ceux international. Qui ne connaissent pas. Allez, Ludovic Obraniak, c'est parti. C'est dans la surface de réparation et c'est capté par Vincent de Marconnet dans ses 5m50. Un peu trop haut ce coup franc de Ludovic Obraniak pour mettre en danger le portier parisien. Personne ne peut couper parce que c'est encore haut au moment d'arriver dans la surface de réparation. Et de Marconnet qui peut se dégager sur Malik Chokounte. Le ballon dans les pieds de Redouane Kirouche qui rouge dans le sens du jeu. Kirouche qui a un petit peu de champ. Et à la montée de Thomas Delaine sur le côté gauche. Il est servi. Thomas Delaine dans la surface de réparation. Le centre de Thomas Delaine vers le point de pénalty. C'est repoussé par la tête de Calfred. Mais ça va revenir avec Edmond Akichi. Cyril Mandouki à 35 mètres. Mandouki la passe bien verticale vers la reine Nomen Janari qui a Sidibé. Sidibé bien pris par le retour de Ludo Branac, mais il en a trouvé dans le dos. Ousmane Sidibé qui est en charge de réparation, il a trop poussé son ballon. Ah, oh, c'est dommage. Quel dommage parce qu'elle était belle cette passe de la reine Nomen Janari pile entre Ndika et Ludo Branac. Il avait poussé un tout petit peu moins ce ballon parce qu'il était passé. Ousmane Sidibé, ça faisait une situation dangereuse. Pour les joueurs parisiens, en tout cas, ils sont toujours en possession du ballon avec Vincent de Marconnet parce qu'on n'a pas réussi à sortir côté auxerrois. C'est assez récurrent et c'est surtout la fin de cette première période avec le Paris FC qui mène désormais 1-0 à Charletti face à la Géosserre. Un but, on le rappelle, de Malik Chokounte à la 18e minute sur un corner tiré au premier poteau. On va faire une pause de quelques minutes, on se retrouvera avant le début de cette seconde période pour refaire un petit point un peu sur tout ce qui s'est passé, un petit débrief. Et le tableau des scores de cette Dominos League 2, on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.
Et de retour au stade Charletti pour la fin dans quelques instants de la mi-temps. Et le Paris FC qui mène donc un but à 0 face à l'IAG Auxerre. Un but de Malik Choukounté à la 18e minute de jeu sur un corner parfaitement tiré par Saifedine Alaïbaza, alors que tous les Parisiens se regroupent actuellement au milieu de leur moitié de terrain avec Vincent de Marconnet, avec Hervé Liboy, avec Fred Wong et avec Saifedine Alaïbaza qui essaye de motiver ses partenaires alors qu'il y a un changement pour la JOCR avec la sortie de Ndika. C'est plutôt étrange. Arrière gauche qui sort remplacé par... C'est Boto. Et il est remplacé par Boto. Kenjivan Boto. Et Papsané qui fait également son entrée. Alors j'ai pas vu qui est sorti, il me semble que c'est Montiel qui est sorti. Ouais. En tout cas, double changement à la 45e minute de la part de Francis Gillot, alors que la seconde période démarre à l'instant et finalement non, parce qu'il y avait un Auxerrois dans le camp du Paris FC. Voilà, ça y est, c'est reparti à Charletti avec le Paris FC qui a donc globalement et dans les grosses largeurs, même un petit peu plus que ça, dominé la JOCR sur cette première période. Oui, même si la grosse occasion qui sont finalement auxerroises, mais le PFC a surtout été efficace offensivement, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Un peu de réussite, mais bon, il en faut bien pour les Parisiens. Et là, c'était le cas. Edouane Kérouche, la frappe de Kérouche, dommage, elle partait bien. Enfin, pourquoi pas tenter. Et aussi, on a vu, tu l'as dit, les Parisiens se réunir. Ça va être très important de tenir ce soir. Pour la confiance, ce serait très bon. Ouais, mais c'est... Alors on peut souligner bien sûr la force du Paris FC dans ce début de saison qui est vraiment dans l'appréciation du jeu. Mais il faut souligner également, malheureusement on n'aime pas trop dire ça, mais la faiblesse assez abyssale de la JOCR en ce début de saison et plus précisément sur cette rencontre. Et je remarque aussi quelque chose, effectivement tu as dit Antoine, mais il y a quelque chose qui me marque encore plus et plus le temps avance. C'est un joueur parisien qui est Saifedine Alaïbaza qui vient de nous réussir des contrôles mais une sens technique. Très très appréciable à voir. D'ailleurs les Auxerrois qui l'ont compris également hein, parce qu'on a vu cette action d'Alaïbaza qui prend le ballon entre les lignes et tout de suite là, il a juste le temps de se retourner et 4 Auxerrois qui étaient autour de lui se sont vraiment regroupés pour le serrer de très très près Saifedine Alaïbaza. Ils ont compris que c'était le principal danger hein, dans cette équipe. Alors que Papsané, on le dit, hein, est entré en jeu le buteur de Bourg-Péronas, l'ancien buteur qui a terminé la saison où le Paris FC est monté en Ligue 2 pour la première fois, accompagné par le Red Star et par Bourque, justement, co-meilleur buteur de National avec Kevin Lefebvre, avec 21 buts inscrits. Il a été ensuite recruté par le SM Caen et est actuellement prêté par la JOCR. Alors ce n'est pas, c'est pas Montiel hein, qui est sorti, puisqu'il est encore sur le terrain et c'est plutôt le Marocain Saki qui a cédé sa place à Papsané. Saki qui jouait ça de l'avant hein, côté Saki qui jouait côté ouais, Saki qui jouait dans le cœur du jeu vraiment en position en soutien de Montiel et qui a fait les frais un petit peu de ce double changement avec un jeu plutôt un peu plus direct et plus tourné vers les côtés hein. C'est ce qui en tout cas ressort de la composition puisque ça est passé en 4-4-2 à plat alors que côté parisien on a Julien Lopez, Idriss Eschargi. Et il me semble que c'est Ibou Sissé qui s'échauffe également. Avec une nouvelle faute hein, d'un joueur auxerrois sur Thomas Delaine. 11e faute d'Auxerre dans ce match. Alors qu'on arrive déjà à la 48e minute de jeu. On le rappelle, un but à 0 pour le Paris FC ici à Charletti. Pour cette 5e journée de Dominos League 2, vous êtes bien sur Jour de Sport. Et vous êtes bien pour l'instant sur la première victoire à domicile du Paris FC cette saison. Avec un but de Mike Choukounté à la 18e minute de jeu. Et avec un match intéressant du Paris FC qui semble avoir un peu délaissé un style de jeu qui était vraiment appréciable pour un peu plus d'efficacité. Effectivement, on voit un peu des Parisiens et un début de seconde mi-temps, que ce soit côté Auxerrois et Parisien, comme tu l'as dit Antoine, assez soporifique, mais voilà. C'est plus à Auxerre aussi d'aller chercher le PFC, enfin ce serait plus logique on va dire dans ces cas-là. Allez, pourquoi pas là-bas, Thomas Madeleine, il va rentrer sur face au Madeleine. Est-ce qu'il y a une petite faute sur lui au départ? Oui, effectivement, et ça fera un très bon coup franc pour le Paris FC à suivre. Un très bon coup franc pour le Paris FC obtenu donc par cette percée de Thomas Madeleine qui est aussi un des hommes en forme hein, de ce début de saison.
Et ça va donner un coup franc pour Saïf Edine Ali Baza. Pour le coup, on en parlait tout à l'heure, le coup franc d'Aubragnac face au PSG en 2011, bah, il ressemblait un petit peu à celui-là. En une un peu, obsession sur angle ce un peu plus moment-là, je fermé. sais pas si t'as marqué à ce moment-là, mais. Bah, un petit peu quand même, parce Oui, que. c'est vrai. Mais c'est plutôt logique, mais comme le PSG a quand même une référence chaque année à avoir des matchs, tu sais, plus ou moins Voilà. importants, ou voilà, ça peut, on peut dire qu'on en aura eu d'autres, tu vois, mais. Bon, en tout cas, il est au coin de la surface de réparation, légèrement excentré sur le côté gauche. Et c'est pour ça qu'il fait dîner, bah, ça va être rentrant. Les grands sont montés côté Paris FC. On a toujours Edmond Akichi et Rayon Kirouche entrée de surface et Mandzukic de l'aine derrière, alors que ça se termine un petit peu dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre qui vient calmer un petit peu tout le monde, monsieur Deschpi. Pas de carton hein, dans cette rencontre pour l'instant. Sorti par l'arbitre de cette rencontre. Et elle va revenir. Un coup de sifflet, qu'est-ce qui se passe encore? C'est parti, c'est tiré sur la surface de réparation et c'était vers Mael Choukounté, c'est finalement dégagé par les Auxerrois et ça revient sur Edmond Akichi qui va revenir loin derrière jusqu'à Vincent de Marconnet en dehors de sa surface et qui va allonger de Marconnet. On cherche Saïf Edine Ali Baza, ça va être plutôt la tête de Goujon. Goujon avec Aubragnac va s'appuyer sur Montiel, au niveau de sa ligne médiane. Il est descendu très bas, touché des ballons, forcément avec ce 4-4-2 et la bonne récupération Ah, parisienne. dommage. Siffle une faute pas forcément évidente. Il y avait mieux à faire, ouais, effectivement, comme tu l'as dit là, ils étaient encore au pressing sur un joueur. C'était d'ailleurs bien vu de la part des joueurs parisiens et qui ont fait faute malheureusement. Mais là, s'ils récupèrent le ballon sur ces phases de jeu là, ils l'ont réussi à le faire déjà 2-3 fois depuis le début du match. Ça créera, et ça a créé pour moi un gros danger sur la cage de Zachary Boucher. Alors que Souleymane Karamoko revient vers le banc parisien. Est-ce qu'on a un joueur latéral blessé côté Paris FC? Thomas Delaine qui a l'air d'aller, de même pour Ousmane Sidibé. Attention avec ce ballon de Marconnel, là, pressé par deux Auxerrois. Ah, là. Obligé finalement de dégager en touche. Parce que les Auxerrois sont subitement montés dans le cran dans le pressing et de Marconnel qui est un petit peu seul là. Obligé de mettre ce ballon en touche au niveau de la surface de réparation côté droit, ça va être une touche longue encore pour Goujon. Loïc Goujon qui a lancé cette touche, c'est sur Adeoti, mais sa remise de la tête ne trouve personne si ce n'est un Parisien. Et là, c'est Takalfred qui a encore perdu son duel face à Malik Choukounté. Alain Ibaza, il y a du monde dans l'axe et on va plutôt attendre de trouver Thomas Delaine. Il faut obtenir la touche ou est-ce que ça va être une faute? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas s'il Monsieur signale la l'arbitre. faute ou s'il veut juste aux nouvelles du joueur auxerrois. C'est un peu ambigu. Ouais, parce Parce que que le joueur tombe en dehors du terrain, du coup, c'est ça pour ça. Alain Baza qui fait le tacle en barrage. Oui, la touche sera bien parisienne, hein. Mais c'est vraiment une touche pour Thomas Delaine. Alors qu'il y a un joueur auxerrois en dehors du terrain qui sait. On lui demande de revenir finalement. Non, de rester dehors justement. C'est Yaya Sané qui doit rester en dehors du terrain. Auxerre qui est donc à 10 hein, pour l'instant. Sur cette touche de Thomas Delaine à 30 mètres. On va revenir derrière sur Sami Yohou. Alors que. Ça y est, et Hassané est revenu avec ses coéquipiers. Et à ce moment-là, on trouvait Don Kerouche dans un moitié terrain pour bien jouer Malik Choukounté. Et le tacle, l'interception parfaite de la part de Takalfred. Mais Oula. attention, parce que ce ballon revient sur l'ancien buteur d'Unkerquois. Et on va être obligé de mettre ce ballon en touche côté Auxerrois avec Goujon qui est un petit peu pressé par le puissant buteur parisien. Et quand on l'a sur le dos, c'est pas toujours agréable. Hein. Toujours mieux pour les Parisiens avec Thomas Delaine là pour Saïf Edine Ali Baza. Il est enfermé au poteau de corner, c'est fini de Baza avec deux Auxerrois et la touche, elle sera pour le PFC. Semblait ouais, de vue d'ici c'était pour Auxerre, hein, Ouais, clairement, alors là, vu d'ici, pour moi, elle était évidente mais Monsieur Arbitre pour les Auxerrois. qui a donné son la touche au Paris FC sans attendre le jugement de son assistant. La touche jouée par Thomas Delaine, on trouve Mike Choukounté en surface de réparation, c'est finalement dégagé. Elle est ressortie proprement par les Auxerrois avec Takalfred, va allonger sur Pape Sané qui a buté sur Sam Miou, pas Oui, il y avait forcément faute. Mais c'est le retour de. Ouais, d'écran. Tu retour connais d'écran, ce c'est jeu? ça. Ah, en première mi-temps, on est bien obligé de noter qu'effectivement les joueurs parisiens se sont heurtés à ces 2-3 écrans au milieu de terrain des Auxerrois assez puissants. Ouais, en tout cas, par FC qui a pu annuler ce tacle et se replacer. Là, ce changement de côté est raté, récupéré par Saïf Edine Ali Baza. Le petit Oulala. sombrero d'Ali Baza, c'est bien fait ça sur Goujon. Ali Baza qui accélère et Goujon finalement qui ne s'est pas laissé faire et qui a récupéré cette balle au physique. On était à 30 mètres du but de Zachary Boucher. Et la balle désormais pour les Auxerrois avec Yaya Sané.
Allez, les Auxerrois qui vont tenter là-bas en rentrant dans le camp parisien sur la gauche d'accélérer, de trouver une touche de balle. Et côté parisien, on va bien revenir, pas assez pour récupérer le cuir. Et on repasse par derrière, on essaye de faire étirer, tourner le bloc, comme le fait Mikel Tagliafico, ou là encore Ludovic Robert Ragnac. Mais c'est un petit peu compliqué côté Auxerrois. Et la Radon Kaouchi, il le voit, Malik Choukounté là-bas, le long ballon. Malik Choukounté signalé en position d'hors-jeu. Où c'est limite? Là, on va regarder. Enfin, vu l'angle, passer ouais. Que nous, l'arbitre assistant, parce qu'on n'est pas dans le milieu du terrain et encore moins. On est parfait pour les hors-jeux de l'autre côté, nous. Mais c'est vrai que Redon Kierouche a mis un petit peu de temps à donner cette balle, c'est dommage par parce ça que. C'était magnifique. Hein. Mais c'était belle. Mais, et là, il n'y a pas de position de hors-jeu. Pas de position de hors-jeu pour l'attaquant d'Auxerre qui est accroché de Vincent Dumarcole qui frappe et qui égalise. L'égalisation d'Auxerre. C'est qui est-ce qui a égalisé? Il me semble que c'est Adeoti. Il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Et c'est vrai qu'il semblait vraiment en position d'hors-jeu. C'est le numéro 28 de cette équipe auxerroise. C'est, il me semble que c'est Boto. Philippe Boto, oui. C'est vraiment Philippe Boto. Tu as raison, Gabriel. Romain Philippe Boto qui a trouvé largement derrière la défense parisienne. Alors, il semblait vraiment de là où on est en position d'hors-jeu. Et pour le coup, on est un peu mieux placé. Monsieur l'arbitre de touche qui semblait un cran au-dessus de la défense parisienne. Toujours est-il que Philippe Poteau a bien travaillé Vincent de Marconnet, a crocheté Vincent de Marconnet qui n'a pas osé se jeter dans les pieds de l'attaquant auxerrois. Attention au retour avec Alain Ibaza qui est accroché. Mais toujours est-il que ça fait un but partout entre le Paris FC et la Géosa, égalisation de Romain Philippe Poteau. Effectivement, et ça part d'une action par rapport à cette action sur Malik Choukounté. Assez paradoxal comme situation. Les Parisiens qui... ne s'en sortent pas, sensation. Alors, c'est un peu difficile. Là, la phase de jeu, elle peut considérer décisive. Ça fait Dina Ibaza qui va envoyer ce long ballon là-bas pour Thomas Delaine. Il va rentrer Thomas Delaine. Il va avoir une bonne situation. Le centre de Thomas Delaine au second poteau. C'est dommage qu'il n'y ait personne pour couper parce qu'il n'était pas si mauvais ce centre avec l'appel de Manet Chukunto au premier poteau. Il y aurait eu un joueur au second. Ça aurait été très dangereux pour les joueurs auxerrois. Et Frédéric Bond qui va remettre derrière à Vincent de Marconnet. C'est vrai que ça a laissé un petit peu les joueurs par exemple se regarder, mais il y a hors-jeu et j'avoue que même nous on est un peu surpris, c'est possible qu'il n'y soit pas en position de hors-jeu. Et là encore Philippe Poteau qui a été trouvé côté gauche et il semblait vraiment en position de hors-jeu. Mais l'assistant de Monsieur De Chepy n'a pas signalé, n'a pas levé son drapeau. Hors-jeu n'a été signalé pour la GSC. Attention, mon ballon vers Saïfine Alibaza, c'est bien coupé par Tagliafico, mais ça revient avec Cyril Mandouki qui va contrôler et obtenir la touche. Alain Ibaza. Alain Ibaza avec Mandouki en retrait. Mandouki va se retourner et réussir à trouver de Mwakichi dans le rond central et qui écarte sur Samiyaou. Un peu moins influent que lors du match par exemple contre le Havre de Mwakichi qu'on avait beaucoup trouvé. Alors que là il y a une faute de la Laina pardon dans Menjanahari. La 9ème faute parisienne dans cette rencontre, 3ème dans la seconde période. Mais là on sent les Parisiens un petit peu assommés par ce but qui est totalement contre le cours du jeu. Les Auxerrois qui n'ont tiré que 4 fois au but, seulement 3 tirs cadrés. Mais à chaque fois que les Auxerrois ont cadré, ils se sont montrés très dangereux. C'est vrai que ce ballon est toujours pas de position de hors-jeu pour Papsané. Papsané dans la surface de réparation et il est face à le retour de Ousmane Sidibé, le centre désormais de Goujon, second poteau et la tête du défenseur parisien, c'est bien fait. Et là, il y a Janari qui va dans le mauvais sens, là, qui revient jusqu'à De Marconnet, qui va dégager loin devant vers Cyril Mandouki. Mandouki va laisser cette balle pour. C'est bien fait ça. Cyril Mandouki qui accroche, Cyril Mandouki qui va tenter de trouver. Oh, dommage. Là, il y a Janari, c'est dommage, il a mis un petit peu de temps, mais il était accroché un petit peu par le maillot. Cyril Mandouki, il n'a pas pu faire cette passe au bon timing parce qu'il ça était bon. On aurait pu laisser l'avantage et revenir une faute. Il était bon cet appel de Lomen Janahari. Dans le dos de la défense, il y a vraiment quelque chose à faire dans le dos de ses défenseurs. C'est vrai. Alors que peut-être Samu qui a pas fait de faute, finalement il n'y aura rien. Et il va récupérer le cuir jusqu'à Vincent de Marconnet. Permettre aux joueurs parisiens de se relancer. Avec Vincent de Marconnet, on va retrouver Emon Akichi en position numéro 6. Et là, on a touche de balle. Il y a de l'espace. Quand on sait roi avec Ousmane Sidibé qui va arriver sur la droite, le centre d'Ousmane Sidibé, peut-être à tête de Choukounté, finalement. Ouais, il s'est pas engagé. Gauche, va dégager, touche à suivre pour le PSG. C'est dommage, il s'est pas engagé à Malik Choukounté, il était bon pourtant ce centre. Et Tak Alfred qui était au duel a pu l'avoir du pied. Une petite tête un peu plongeante aurait peut-être éventuellement été opportune. Toujours est-il que ça fait touche pour le Paris FC. Au niveau de la surface de réparation, côté droit,
C'est pour Ousmane Sidibé qui va la remettre sur Alain Ibaza. Revenir derrière jusqu'à Fred Bong. Fred Bong qui a bien fait ça, ce ballon dans la surface de réparation pour Thierry Mandouki. Dos au but, Thierry Mandouki qui peut écarter Sidibé, le centre d'Ousmane Sidibé vers le second poteau et c'est capté par Zachary Boucher. Qui va pouvoir dégager ce ballon côté Auxerrois. Et va faire à la main. C'est peut-être un petit peu risqué là, oui. Ça va directement sur Nomen Genari. C'était pas la meilleure idée pour Zachary Boucher. Le ballon peut-être de Redan Kerouche en profondeur, mais ces ballons-là, c'est dangereux et compliqué pour les Parisiens. Parce que quand on perd le ballon, on n'est pas en position de force. On cherche un nouveau long ballon jusqu'à Pape Sané et Vincent de Marconnet qui va sortir et pas garder le cuir dans ses mains plus loin et du coup le relâcher. Et trouver là-bas peut-être Mathieu Kounté, c'est bien vu ce ballon du pied de la part de Vincent de Marconnet. Même si Mathieu Kounté n'a pas réussi son contrôle, et Tac Alfred récupère le cœur pour Auxerre. Allez, Tac Alfred va tenter de relancer sur la gauche. On trouve Montiel entre les lignes. On est toujours dans la moitié de terrain auxerroise. Et Touré change de côté jusqu'à Tac Alfred encore, le capitaine auxerrois. Il va chercher à jouer vers l'avant, il est à la goujon sur le côté droit. Il va plutôt choisir son partenaire de défense centrale, il y a Hassané à sa gauche. On n'a toujours pas dépassé la moitié de terrain côté auxerrois parce que les Parisiens qui coulissent très très bien et qui n'offrent pour l'instant aucun espace à cette équipe auxerroise. Le ballon est toujours dans les pieds de Tac Alfred et il y a Sané depuis une bonne trentaine de secondes. Même si là il y a eu un décalage qui s'est créé et la montée côté gauche de Indica. Indica a trouvé Ludovico Bragnac. Sur moitié de terrain c'était pardon Philippe Otto. Philippe Otto avec Pape Sané au but. On a revenu derrière. On a écarté jusqu'à Adeoti qui trouve cette fois-ci Ludovico Bragnac, son pied gauche d'Aubagnac, le débordement de Gouchon, le centre de Gouchon dans la surface de réparation, la reprise de Pape Sané, ça passe au-dessus. Cette reprise de Pape Sané. J'avais presque un doute. Mais Pape Sané fait du bien à l'attaque auxerroise aussi, hein. C'est important. Ouais. Quelque chose qu'on voit dans la profondeur, il occupe beaucoup la défense parisienne. Et une demi-heure de jeu ici, un partout, donc contre Paris FC, la JOC, au moment où Idriss Echergué va remplacer la Lana Nomen Genahari. Changement donc pour les Parisiens. Et là, Vincent Marconnet va pouvoir dégager une demi-heure pour voir si ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Jusqu'à Malik Tchoukounte, peut-être jusqu'à Idriss Echergué là-bas sur la gauche. Il va se battre. Idriss Echergué, il est frais forcément, même si c'est quand même Aubragnac, les Auxerrois qui ont le dernier mot. A noter que le changement en Idriss Echergué va apporter un petit changement de tactique, puisqu'il est venu se placer sur l'aile gauche et Alain Ibaza sur l'aile droite. On passe donc d'une équipe avec des attaquants intérieurs, pour ceux qui les connaisseurs de football manager, une équipe avec des ailiers pour tenter au maximum de centrer sur la tête de Malik Tchoukounte. Effectivement, avec Frédéric Bong qui là-bas essaie de récupérer le cuirasse, c'est pas de Frédéric Bong. Attention à ces ballons, faut être précis et faire attention. Et là, forcément, presque une position de surnom, mais il est un petit peu en retard. Il va y avoir gros danger sur la cage parisienne avec les Auxerrois. Au second poteau pour Ludovico Bragnac. La demi-volée de Bragnac, c'est capté par Vincent de Marconnet. Frédéric Gong s'excuse. Ce fut quand même dangereux. Il faut peut-être en profiter. Il a raison, Vincent de Marconnet, qui Idriss Echergué qui va avoir le ballon. Oh, c'est perdu, Echergué plein axe. Ah, attention, les Parisiens à pas sombrer là, doucement dans ce match après avoir pris un coup sur cette égalisation. On le disait, hein. Auxerre qui est expérimenté et qui s'est réveillé à la mi-temps parce qu'on n'a pas le même Auxerre en première et en seconde période. Le Paris FC qui reste plutôt sur les mêmes bases, hein, de jouer assez rapide vers l'avant, de se baser sur le physique de Malik Tchoukounte pour essayer de créer des décalages. Mais les Auxerrois qui sont beaucoup plus tranchants pour l'instant et faut pas non plus prendre trop la confiance à l'image d'Edmo Akichi qui nous a tenté un geste beaucoup trop difficile et qui a failli perdre le ballon. Heureusement Cyril Mandouki traînait dans le coin et a pu récupérer. Ah, ils sont 3 joueurs Auxerrois au pressing. 3 joueurs Auxerrois, c'est beaucoup plus... Oh, alors est-ce que physiquement ils peuvent tenir tout le reste en soi-même? Pourquoi pas, oui, surtout que les Parisiens commencent à avoir un peu plus de mal sur le reste du match et qu'Auxerre continue à avoir des situations. On essaie d'accélérer un nouveau côté auxerrois, peut-être oh là, glissade la première de la seconde mi-temps. Pendant que Malik Tchoukounte lui se bat comme il peut sur cette phase de jeu. Mittel Tac Alfred derrière qui remet. Avec le long ballon, pourquoi pas justement jouer. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Vincent de Marconnet réclamait une position de hors-jeu là-dessus, mais finalement il n'y aura rien. Et il va se dégager sur ce ballon. Et on va peut-être avoir un contre-côté parisien finalement. Non, c'est le dernier, c'est nouveau, c'est roi. Ce façon de s'endormir dans ce match, ça ne dessert pas du tout les Parisiens. Allez, on va profiter de ce petit temps mort là avec ce ballon dans les pieds de Zachary Boucher pour revenir sur les scores
de cette cinquième journée de Domino's League 2, puisqu'on arrive à la 64e minute de jeu ici à Charletti. Auxerre qui a donc égalisé face au Paris FC par l'intermédiaire de Romain Philippe Poteau. Et sur les autres terrains, Bourg-Péronne a ouvert le score face au Gazélec Ajaccio. De même pour l'AS Nancy Lorraine face au Stade Brestois avec un but de l'éternel Youssouf Hadji. Un but à zéro pour Nîmes face au Havre. 2-0 pour Clermont Foot désormais face à Quevilly-Rouen Métropole. Et 3-0 pour la Berrichonne de Châteauroux face à Sochaux. 2-0 toujours pour l'AS Ajaccio face à Tours. Et 3-0 désormais pour Valenciennes face au Chamois Niortais. Ouais, les Auxerrois qui ont le ballon à nouveau là-bas justement avec Goujon qui en passe derrière jusqu'à Zachary Boucher. Là, ils n'accélèrent pas trop non plus les Auxerrois. On sent qu'ils sont capables. Dès qu'ils ont le ballon, maintenant ils mettent beaucoup plus au danger qu'en première mi-temps. Ils ont moins finalement de grosses occasions, mais on sent que ce rythme de match peut mal tourner pour le PFC. Et en même temps, on sait que le PFC à chaque fois a des situations. Quand il accélère, c'est pareil, ça peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. C'est intéressant par contre d'avoir arrêté de perdre ses ballons au milieu de terrain. Et là, Frédéric Bong a les deux pieds décollés sur ce tacle. Et je pense qu'il a pris le ballon premier, peut-être quand même si c'était oui, très violent. Mais l'excès d'engagement est réel. Voilà, et attention, attention à la couleur du carton que va sortir Monsieur Despuis, parce qu'il va avoir carton. C'est obligatoire sur ce tacle de Fred Bong. Le De Marconnet est là-bas. Ouais. Je veux dire, il est passé où Vincent De Marconnet? Il me semble que c'est la poche arrière. Il me semble que c'est la poche arrière là pour Monsieur De Lepeche. Non. De Spi, attention, avant, qu'est-ce arrière. Que ça va être? On sait pas trop. Là. Il attend de voir. Il attend de voir ce qui se passe et qu'est-ce que ça va être là pour Fred Monk, parce que c'était vraiment très très dangereux ce tacle. On le rappelle, Hervé Libouille est toujours suspendu suite à son carton rouge reçu. Monsieur l'arbitre qui parle à Fred Monk et c'est carton jaune. Carton jaune pour Fred Monk. Et c'était vraiment limite sur ce tacle. Alors c'était le geste qu'il fallait faire, mais il a mis beaucoup trop d'engagement, il a commencé son tacle beaucoup trop tôt. 66e minute de jeu, premier avertissement du match pour Fred Bong. Attention, attention, on est en difficulté côté parisien, on l'a dit. Il s'est jeté pour éviter une si grosse situation de contre. À suivre pour les Auxerrois par un ballon encore perdu au milieu de terrain. Alors qu'il y avait une grosse situation pour le Paris FC justement. Oui, juste avant, c'est un peu ce match, il y a un faux rythme dans ce match assez... assez incroyable. Allez, le ballon pour le Paris FC avec Alain Ibaza. Revient sur Thomas Delaine en difficulté. Delaine qui parvient à ressortir cette balle à terre. Mais difficulté pour Alain Ibaza qui n'a pas réussi à contrôler. Touche pour Auxerre à 35 mètres. Avec Goujon, est-ce qu'il va la jouer longue ou est-ce qu'on va faire plutôt le dernier changement auxerrois du match avec l'entrée à venir de Fumu Tamuso. Et il remplace. Ouais, c'est bien ça, il remplace Montiel. On va voir aussi les changements, ils ont beaucoup apporté jusqu'à présent les changements de Francis Gillot pour les joueurs d'Auxerre. Et donc la touche à venir pour les Auxerrois. C'est joué avec le premier ballon justement pour Fumu Tamuso qui va tenter de passer, mais la bonne intervention. Défense. Autoritaire de la Hainan Omjanari qui a tenté un petit pont sa moitié de terrain, s'est récupéré par Auxerre. Edmond Akechi, le ballon qui vient naviguer un petit peu d'une équipe pour l'instant, et c'est Fumu Tamuso qui va finalement obtenir le corner. Le premier de cette seconde période côté droit. Le deuxième seulement de la partie pour les Auxerrois. Et attention danger. Et attention là, danger. Il y a de la taille en plus. Il y a de la taille exactement. Côté Auxerrois. C'est Ludovico Brania qui va s'en charger alors que les Auxerrois qui ne sont pas forcément pressés de monter. Ça y est finalement c'est. Ouais, mais c'est très étrange, c'est en sortie. C'est monté, ouais. Enfin là depuis deux secondes mi-temps. Allez, c'est parti pour Ludovico Brignac, c'est rentrant, c'est au point de pénalty, la sortie de Vincent De Marconnet qui capte cette balle. Est-ce qu'il va relancer rapidement ou attendre plutôt que ses partenaires montent? Non, il va plutôt temporiser Vincent De Marconnet. Et dégager finalement en direction de Cyril Mandouki. Un petit peu long peut-être ce dégagement. Et il est surtout devancé par un joueur d'Auxerre, mais le ballon qui reste dans les pieds parisiens avec Edmond Kichi sur Cyril Mandouki, un peu seul Cyril Mandouki là, qui va quand même accélérer sur le côté gauche, il est un petit peu enfermé mais il va réussir à passer. Mandouki est entré sur la réparation, Cyril Mandouki qui va rentrer, qui a été accroché. Non. C'est compliqué de siffler pénalty là-dessus, mais il a vraiment été accroché, la Cyril Mandouki. C'était déjà arrivé ici, souviens-toi. Contre le Havre.
C'est déjà arrivé ici pour Cyril Mandouki. Et là, faut que ça en profite à rêver un petit peu parisien avec Redouane Kerrouche qui va accélérer. Redouane Kerrouche est tout seul. Il continue Redouane Kerrouche. Il va accélérer. Il a même entré sur fin de Redouane Kerrouche. Il va par le compte favorable. C'est pas fini là-bas. Et Zachary Boucher est obligé de sortir. Il a fait un vrai rush, un très bon rush. Redouane Kerrouche, il a raison d'aller provoquer aussi les forces de parce qu'à chaque fois, le PFC le fait. La défense au serre est en grande difficulté. Mais il a pas été accompagné. Redouane Kerrouche qui avait vraiment pas de solution à ses côtés. Les solutions étaient vraiment linéaires, c'est-à-dire qu'on avait Malik Chokounte qui proposait à sa droite, on avait Alain Ibaza qui a accéléré, proposait à sa gauche, mais pas de course pour déranger vraiment la défense serroise ou créer de l'espace à Redouane Kerrouche, c'est-à-dire que c'est des courses vraiment tout droites et marquées. Finalement, on aurait aimé voir Malik Chokounte croiser par exemple devant Redouane Kerrouche pour lui libérer de l'espace ou lui offrir une solution. Ça ne s'est pas fait, Redouane Kerrouche qui est obligé d'aller au bout tout seul, il a finalement perdu cette balle. Les Auxerrois qui ont le cuir dans le camp du Paris FC sur ces ballons, bien que Chergué qui a pu juste du pied un peu qu'on va annuler ses contre-attaques auxerroises. Et derrière, Auxerre va à nouveau récupérer le cuir et chercher ce forit. À chaque fois, c'est assez marrant. Ça leur réussit, hein, ça leur va. Et je pense qu'un match nul, ça leur irait aussi à les Auxerrois qui n'ont pour l'instant gagné qu'un seul match, c'est-à-dire de la première journée. Que des défaites ensuite et certaines lourdes, notamment contre le Havre. Ils sont inclinés à 4 buts à 1 à domicile en étant réduits à 9 à la fin de la rencontre. Avec un carton un peu stupide là de Yaya Touré pour contestation et qui a finalement pris 3 matchs fermes pour cette rencontre. Il a dû avoir quelques propos un peu virulents, monsieur l'arbitre. Et là justement c'est Romain Philippoto qui fait le show. Philippoto qui a pu trouver Ludovic Obraniak au coin de la surface de réparation côté droit. Obraniak. Et là le retour d'Alain Baza, il revient en retrait sur Papsané. La frappe de Papsané. Ça passe à côté du but de Vincent de Marconnet, mais il y avait Romain Philippoto qui était allé couper alors qu'aucun joueur parisien ne l'avait fait. Et Limbaza est revenu quand même derrière sur le début de l'action. Le changement côté parisien, c'est Julien Lopez qui va rentrer à la place, je pense, de Redouane Kerrouche. Et c'est le cas. On va plus chercher Julien touche de balle et la vivacité, la rapidité devant côté parisien. Intéressant là, ce changement tactiquement parce que Redouane Kerrouche qui est d'un cran plus bas, Julien Lopez qui a joué notamment contre Brest en Coupe de la Ligue en position d'attaquant en fait tout simplement pour fluidifier le jeu et son entrée lors de dernier tour de Coupe de la Ligue justement contre Clermont avait vraiment participé à cette, au fait de fluidifier le jeu. Et attention pourquoi pas ce premier ballon pour Julien Lopez, entrée sur phase de réparation, hein, le contrôle est pas bon face à Yaya Sané qui va pouvoir amorcer le contre avec Philippoto. Philippoto, on vient de passer la moitié de terrain côté gauche. Philippoto a tenté de trouver Papsané dans le cœur du jeu. C'est finalement récupéré par les Parisiens. On va récupérer la touche pour les joueurs du Paris FC. Et un fou rythme sur cette seconde mi-temps, c'est assez incroyable. C'est même presque dangereux là du côté. Un fou rythme qui profite pour l'instant de Serrois. Je dirais qu'ils se contenteraient bien d'un match nul hein, vu leur... début de saison et le début de saison aussi du Paris FC. Un point à Charletti, c'est pas une mauvaise opération alors que une banderole déployée du côté du COP au Serrois qui souhaite courage au Montreuillois. Attention, encore un ballon pour Auxerre là-bas. Ça va peut-être aller en tout. Il faut que Thomas Delaine assure. Oulala, ouh, Ludovic Robraniak avec la piste d'athlétisme. Ou avec la bordure, la petite athlétique est arrivée, pleine bourre en glissant. Et s'est mangé le trottoir qui déborde. Et on l'a vu vraiment faire un geste. Au niveau du dos. Au niveau du dos. Ouh là là. Il reste sur la piste d'athlétisme, il devait qu'on like. Thomas Delaine qui est venu s'excuser, mais. C'est pas tellement lui, hein. C'est. Enfin, ouais, c'est la réaction. Alors, il y a un petit coup de physique, effectivement, qui a fait que Ludo Braniak a dérapé. Et s'est retrouvé. Dans cette situation, alors qu'il n'y a plus de changement côté Auxerrois. Important de le noter. Ouh, ce tacle sur Edmond Kishi là-haut. Alors qu'il y a deux joueurs parisiens à terre, puisque. On a vu que Chokounte avait également été accroché, mais. Gros tacle. Là, de la part de Touré sur Edmond Kishi, qui reste au sol. Alors que Ludovic Obraniak est toujours au sol. Hein, sur la piste de l'athlétisme. Et carton jaune. Pour Touré. Là, s'il sortait le jaune, c'était logique en vue de la compensation par rapport à Frédéric Bong. Alors que Auxerre est toujours à 10. Hein.
On demande la civière. On demande la civière pour Ludovic Obraniak. Ça va poser une vraie question par rapport à la piste d'athlétisme d'ailleurs, hein, cette histoire. FC va finir probablement 11 contre 10. Et ça va la poser, hein, la question quand même. Hein. Alors que les gens de la, les personnel de la Croix-Rouge n'ont pas tout de suite compris qu'ils ont demandé la civière. Ça y est, ils se sont réveillés, ils se sont levés et ils vont aller chercher le pauvre Obraniak. Mais on revient au terrain parce que Thomas Delaney est dans bonne vision. Thomas Delaney à 30 mètres. Il y a l'appel de Idriss Chargui qui a été déséquilibré un petit peu sur son appui par la pelouse. Ah, faute de Thomas Delaney. Faute de Thomas Delaney, il va être averti parce qu'il a cassé un contre le latéral parisien. Ah, il va essayer de revenir. Il va essayer de revenir. Ah, il s'est relevé à Ludovic Obraniak. Ah, c'est vrai que ça, vu le geste que ça fait, on a vu que ça devait faire très mal. On va profiter justement de ce fait de jeu pour rappeler la carrière de Ludovic Obraniak parce que c'est quand même un des très grands joueurs de cette Domino's League 2. Lui qui a joué notamment à Lille, passé par Metz, par Longeville, par le LOSC, donc par les Girondins de Bordeaux, le Werder Brême, et qui est actuellement prêté par Buraspor. Oula, cette passe d'Akichi pour Sidibé. Là, on sent dans le dernier geste un peu plus de mal, plus le match avance côté parisien. Alors qu'il est revenu, hein. Il est revenu sur la pelouse. Mm. Le champion de France 2011. Un peu en. Ouais, il est pas à son maximum, mais il faut qu'il se force parce que malheureusement, les trois changements ont déjà été utilisés par Francis Gillot. Deux à la 45e et le dernier à la 67e minute de jeu avec Montiel, remplacé par Fumi Amuzu pour fluidifier un peu cette attaque. Fumi Amuzu, natif de Paris d'ailleurs. Et formé à la JOCR. OCR, grande école de jeunes aussi. Hein. Ils sont affrontés en 19. Qui ont gambardé là à un passé. Même chez les pros, mais on le précise. Hein. Deux clubs qui ont l'habitude d'avoir de bonnes équipes de jeunes sur le terrain ce soir. Donc, plusieurs Auxerrois formés au club sont. Sont sur la pelouse. Attention à ce ballon perdu par Cyril Mandouki. C'est récupéré tout de suite par Samio où Idriss Chergui est juste devant lui. Idriss Chergui qui a un petit peu de gens là sur le côté gauche. Et revient, c'est bien fait ça avec Ali Bazan. Très de réparation. Ali Bazan qui va frapper. Il a dévissé. Il a dévissé l'ancien de Lens. Et le changement pour le Paris FC avec la sortie justement de Saïf Eline à Ali Bazan. Remplacé par Souleymane Karamoko. On va chercher peut-être de la profondeur avec ce changement côté parisien. Ouais, mais Souleymane Karamoko est latéral. Et juste vous donner un quart d'heure de la fin, un petit point national avec le Red Star qui mène 2 buts à 1 à Avranches. Alors qu'ils étaient menés 1 but à 0 les Odoniens à la mi-temps. Exactement. Et on va profiter de ce petit point justement pour rappeler les scores sur les autres terrains de Domino's League 2. Alors Bourg-Pamp-Pérona, Bourg-en-Bresse. Mène 1-0 face au Gazelle avec Ajaccio, Brest non ancien partout, ni même 1-0 face au Havre. Clermont mène 2-0 à Quevilly, donc au Mans. Voilà, face à Quevilly au Mans, on va dire ça comme ça. Châteauroux mène 3-1 à Sochaux, Ajaccio mène 2-1 à Tours et Valenciennes mène 4-0 face à Niort. 4-0 pour Valenciennes, Valenciennes qui se venge de la semaine passée où ils ont eu une rencontre un petit peu plus compliquée. De la semaine passée, du match de Coupe de la Ligue, pardon. Ils ont été éliminés de manière assez sèche. Allez, la balle. Dans les pieds au Serrois désormais, avec Tac Alfred. Chercher devant lui, dans le cœur du jeu. C'était Hamza Saki. On voit Francis Gillot un peu râler sur ce moment de repassage, de ne pas avoir plus d'espace et de bouger ce bloc. Et finalement, là sur la fin, on a du mal à y réussir. Allez, Jérôme Serrois. Qui vont avoir le ballon mais l'ont perdu avec ses touches à suivre. Donc pour Delaine qui va ouvrir jusqu'à Akichi. Pour à nouveau Sidibé sur la droite qui va tenter de trouver un long ballon. La balle complètement l'opposé par rapport à la tribune principale face à les joueurs parisiens qui vont tenter de combiner. C'est bien vu. Ah dommage, 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 dommage. Et du coup, Serre va le récupérer. Takafa va tenter de l'amener de l'avant ce ballon. Et on essaye, ça va peut aller d'un but à l'autre sur la fin. Hein. Ouais, complètement. Même si dans cette seconde période, le PFC qui a du mal à approcher le but de Zachary Boucher.
Seulement un tir parisien dans cette seconde période. Et c'est celui d'Alain Ibaza à l'instant. Là où les Auxerrois ont tiré deux fois au but, deux tirs cadrés, un but. Et forcément, c'est compliqué hein, pour le Paris FC qui retrouve ses problèmes offensifs. Et la touche au niveau du pot de corner parisien. Joué par Thomas Delaine, ce ballon dans les pieds de Julien Lopez. Lopez qui a réussi à se ressortir parfaitement avec Malik Tchoukounte. Tchoukounte, il a l'appel de Lopez à gauche, il ne l'a pas vu. Malik Tchoukounte, il aurait fallu le servir avant. Mais il peut avancer, il est à droite sous le main de Karamoko. Il sert plutôt Julien Lopez. Lopez en face à face, la frappe de Julien Lopez. Et le but. Le Paris FC qui repasse devant sur cette superbe sortie de balle. Ce superbe ballon pour Malik Tchoukounte. De la profondeur pour Julien Lopez. Et Zachary Boucher qui croise parfaitement sa frappe. Qui est devancé, pardon, par la frappe croisée de Julien Lopez, le nouvel entrant parisien qui permet. C'était Souleymane Karamoko qui s'est écarté sur le côté droit pour totalement éclater cette défense auxerroise. Le face-à-face de Julien Lopez, le plat du pied, petit filet et parfait. Il est rentré tout doucement ce ballon dans le but. Ça fait 2 buts à 1 pour le Paris FC à la 79e minute de jeu. Coaching gagnant de Fabien Mercadal sur cette action, sur ces deux joueurs et Julien Lopez qui rentre et qui place magnifiquement d'un plat du pied gauche ce but dans la cage de Zachary Boucher. Et à 10 grosses minutes de la fin, Paris qui mène 2-1 face à la Géosserre et... Oh, Charletti est sorti délivré sur cette action, c'est pas fini. Mais vu la fusion du match, on était inquiet. Il n'y a pas que Charletti qui s'est sorti délivré au vu de ton... des gestes de joie sur ce but, mais on le comprend parfaitement puisque le Paris FC qui était dans une période difficile et sur une sortie de balle absolument remarquable, c'est une passe de Thomas Delaine qui a tout déclenché pour Cyril Mandouki encore une fois entre les lignes. Mandouki qui sert parfaitement Malik Tchoukounte et on se dit que Tchoukounte a raté le timing pour servir Julien Lopez. Oh. Moi je reviens à la faute là parce qu'il y avait une faute à ce moment-là. De Chargui qui me semblait pas forcément évident, ce qui aurait pu faire une grosse opération de compte pour les joueurs du PFC, mais finalement on n'en sera rien. Mais oui, c'est surtout ça, Tchoukounte, on se dit, mais il n'y a aucun Auxerrois qui va dessus, qui va sur le porteur du ballon, oui, il a la classe, il est à droite, à gauche, il donne à gauche, et Lopez après gère très bien ses coups. Je reviens sur cette action un petit peu pour remettre un peu dans le contexte. On a les trois joueurs parisiens qui avancent de manière latérale, Tchoukounte plein axe avec le ballon, Julien Lopez côté gauche, et Souleymane Karamoko côté droit. On se dit d'abord que Tchoukounte va servir Julien Lopez. Qu'il rate le timing de passe parce que les défenseurs, la défense s'est refermée. On se dit alors qu'il va écarter sur Karamoko qui est beaucoup plus seul. Et c'est à ce moment là qu'il s'agit de croiser sa passe pour Julien Lopez qui s'emmène parfaitement le ballon, qui rentre dans la surface. Zachary Boucher qui bouge son angle premier poteau mais qui gère assez mal au final sa sortie. Zachary Boucher et le petit plat du pied de Julien Lopez qui roule tout doucement jusqu'au but. 2 buts à 1 pour le Paris FC à la 82e minute de jeu désormais. Deux buts à domicile, on a commenté Antoine, tu te rends compte, deux buts à domicile, mais comme quoi. Pour l'instant, le Paris FC qui vient de mettre autant de buts sur ce match que depuis son début de saison. C'est ça. C'est. Mais 4 buts inscrits sur 2 matchs. Va falloir, ce qui me plaît aussi, après le match n'est pas fini, hein, ça peut aussi mal tourner, hein, le football tout est possible, on le sait, c'est la phrase un peu de base, mais qui est vraie, c'est que ça pouvait très mal tourner et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent. Allez, le Paris FC encore avec la balle, avec Edmond Kishi à 30 mètres, côté droit. Il va servir Ousmane Sidibé. Sidibé va revenir derrière avec Kishi. On va construire un peu plus tranquillement côté Paris FC alors qu'on ressort. Ça y est, la défense auxerroise qui sort. On est revenu jusqu'à Samy Youhou avec le ballon. Jusqu'à Vincent de Marconnet désormais. Qui va allonger de Marconnet. On cherche Julien Lopez côté gauche. Il est devancé par Goujon. On touche pour le Paris FC pile au niveau de la ligne médiane. Madeleine va faire cette touche sur la ligne médiane. Il va forcément avoir une situation, je veux dire, pour Auxerre où c'est presque inconscient que les coups francs vont les mettre devant, qu'ils vont à un moment ou un autre tenter ces choses-là. Peut-être une faute sur Julien Lopez, non, rien, monsieur l'arbitre. Faute Idrissé Cherghi. Oui, Antoine, on va faire ton geste de pas comprendre, moi non plus, mais en attendant. Et voilà. Ça va permettre justement, je parlais des coups francs un peu comme ça, et c'est déjà ce que Takafat se semble. Bah c'est peut-être à faire, en tout cas, il remet jusqu'à Zachary Boucher. Et Auxerre va nouveau peut-être reconstruire ses phases de jeu. Allez, avec Yaya Sané. Sané, le 1-2 dans le couloir gauche, anticipé par Ousmane Sidibé qui va pouvoir repartir de l'autre côté. Avec Souleymane Karamoko qui rate la balle, ça va jusqu'à Tchoukounte. Le tacle de la part
de Saïchi qui n'est pas sorti, pardon, et ce ballon pour Issa Chargui. Chargui qui est seul dans la défense auxerrois. Chargui, il a souvent même carrément quoi ses côtés. Chargui a plutôt tenté sa chance sur la réparation, c'est contré, ça va sortir en corner. Ah, Julien Lopez juste à gauche, il lui demandait ballon, mais c'est pas si mal à part des Chargui parce que Zachary Boucher était masqué et elle partait peut-être bien cette frappe s'il n'était pas contré. Mais aussi le PFC a des opportunités, forcément ça se découvre du côté auxerrois et corner à suivre pour le Paris FC que va aller tirer. Julien Lopez veut dresser Chargui. Ça ressemble plutôt à Julien Lopez pour ce corner, ça va être rentrant. Cinquième corner parisien, sixième corner parisien dans la rencontre, pardon, le cinquième côté gauche, premier dans cette seconde période. C'est parti pour Julien Lopez, c'est rentrant. C'est passé devant Julien le but, Lopez, et c'est pas passé loin. Avec l'angle de Charletti, on l'a vu tomber dans la lucarne ce corner finalement. Non, je pense qu'il n'y a peut-être pas de risque, parce qu'on a l'impression que Zachary Boucher sort d'un air assez tranquille sur cette action. Mais même avec Julien Lopez qui est finalement pile sur l'angle, s'est pris la tête à deux mains en disant, alors je sais pas si c'est volontaire, mais... Il est redescendu très vite hein, ce corner de Julien Lopez. Mais attention, il faut rester concentré côté Paris FC, éviter absolument de prendre un but dans les 5 dernières minutes. Ça leur est déjà arrivé parce que les Parisiens qui ont encaissé 4 des 5 buts, pardon, encaissés en seconde période dans le dernier quart d'heure et 1 dans le temps additionnel. Et c'est paradoxal parce que c'est pas le meilleur match dans le jeu du PFC. Alors il y a de très bonnes choses, il y a toujours des phases qui restent des matchs d'avant. Et c'est là où c'est utile aussi de pourquoi faire du bon jeu. C'est qu'une fois qu'on garde ce style-là, ou peut-être ce collectif-là, on arrive justement sur ces peu de phases de jeu à en faire quelque chose. Et ce but de Julien Lopez est l'exemple. Ce qui me plaît le plus de Julien Lopez, c'est vraiment le tout. Mais c'est aussi cette finition qui est pas bourrin, qui est vraiment une lucidité. Ce qui manquait concrètement au Paris FC dans ces derniers matchs, c'était vraiment la dernière passe, ou même, voire même l'avant-dernière passe. Et là, on a trouvé plusieurs fois des espaces dans le dos de la défense avec Cyril Mandouki, qui s'est très souvent placé comme ça, justement entre la ligne du milieu et la ligne de défense, pour proposer des solutions assez latéraux. Et là c'est exactement comme ça qu'est venu le but, avec Thomas Delaine qui a pu trouver Mandouki dans cet espace là, servir ensuite Mathieu Conte etc. sur un contre parfaitement senti. Mais c'est ce qui manquait vraiment dans cette équipe parisienne, c'est d'exploiter ces espaces entre les lignes. Ça jouait bien à la balle, mais il manquait quelque chose vraiment pour créer les décalages. Et là le décalage il est vraiment créé, et c'est pas la première. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une action isolée. Oui. Il y a eu plusieurs actions de ce type dans ce match là qui n'ont pas abouti, mais cette fois-ci ça a abouti. Provoqué, c'est peut-être le mot que tu qui serait le plus adéquat par rapport à ta pensée, Antoine. Mais oui, les Parisiens qui ont réussi à jouer cette action, et ça fait plaisir. Et finalement, c'est un peu le symbole aussi de l'action à 1-0 juste avant le 1, où on se demande pourquoi il y a quelque chose avant. Voilà, maintenant il reste 5 minutes et faudra tenir. Je pense qu'il y aura peut-être un peu de temps additionnel quand même. Cette fin-match est sur Stade Charité. Ah, parce qu'il y a eu la blessure quand même de Ludo Bragnac. Qui, même si nous a fait gagner du temps en étant en dehors du terrain, mobilisé quelques minutes, il y a eu les 6 changements qui ont été effectués en seconde période, même si 2 ont été à la mi-temps. Donc, il y aura sûrement au moins 2 minutes de temps additionnel ici à Charletti. Oh, je pense que... Et il faudra être solide côté Paris FC et éviter de perdre des ballons bêtes comme ça, comme vient de le faire Thomas Delaine. Prendre ce ballon aux Auxerrois, même si ils vont mal l'utiliser, et ça va donner une touche pour le Paris FC au niveau du tunnel d'entrée des joueurs. Qui est d'ailleurs juste au-dessus de la. Au-dessus de nous. À 35 mètres du but de Vincent de Marconnet. C'est joué par Thomas Delaine. Mike Choconte est résolu très bas pour apporter sa puissance physique sur cette touche. Et il a finalement perdu la balle malheureusement parce que sa remise n'était pas assez précise. Balle pour les joueurs d'Auxerre avec Papsané. Papsané tout en puissance physique côté droit. Papsané dos au but. Obligé de revenir en arrière avec Goujon. On a vu Saki dans l'axe. Saki est obligé de revenir sous le pressing de Idriss Echargui. Idriss Echargui qui a finalement récupéré cette balle avec Julien Lopez. Il y a quelque chose à faire. Julien Lopez, Idriss Echargui. Julien Lopez encore, il va plutôt temporiser. Non, il va essayer d'emmener cette balle. C'est bien fait. Ça va faire une touche en faveur de la JOCR. J'avais pas l'impression. Non, mais après il y avait le banc devant nous. Oh, on a pas attends, vu ce qui s'est passé. Récupéré par exemple peut-être un compte favorable là-bas avec Maïchou Kunte qui a le ballon. On a mal géré ses touches là du côté d'Auxerre et Echargui va remettre jusqu'à Akichi peut-être pour passer. Il y a de l'espace là-bas. Voilà, c'est ça pour Ousmane Sidibé. C'est pas mal. On est peut-être plus en confiance. Je sens que si on en reste là, ce sera du soulagement côté parisien aussi sur la fin de match. En tout cas, c'est bien Auxerre qui récupère le cœur finalement dernier mois avec Mikel Takalfred. Ah, qui le perd tout de suite avec ce long ballon sur la poitrine d'Ousmane Sidibé. Qui va se battre pour essayer d'obtenir la touche. Non, finalement, ça sera pour la JOCR. Et Hassané, au niveau de sa surface de réparation, on va changer de côté sur Goujon. Goujon qui va être tout de suite pressé par Julien Lopez. C'est bien là ce que fait Julien Lopez. Très très bonne entrée hein, de Julien Lopez. Qui permute un peu avec Idriss Echargui, tantôt dans le cœur du jeu, tantôt côté gauche. Et là, c'est la balle pour Saïchi. Il est en position de hors-jeu, oui. Papsané
Et cette position d'enjeu me paraît pourtant beaucoup moins évidente que celle qui a... Attention, attention, là ça se chauffe un petit peu entre Sami Yohou et Pape Sané. Le geste de Sané pour écarter le défenseur. Et c'est lui qui a mal réagi effectivement et est averti. Pape Sané. À la 88e minute de jeu. Parce que c'est lui qui a mal réagi et qui a provoqué. Enfin, Sami Yohou l'a clairement provoqué. Hein. Mais c'est lui qui a mal réagi et il est fautif sur ce cas. Et donc c'est lui qui est averti. Pape Sané. Nous demande de rendre vite le ballon, ce qui est paradoxal, enfin d'avoir le ballon, voilà. Et Pape Sané a préféré le garder, ce qui n'est pas forcément intelligent, parce qu'il faudrait le rendre, faire sa course rapidement pour que les Auxerrois aient peut-être une possibilité de d'avoir plus d'occasions, plus d'allant, plus de rythme sur Parce qu'on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre, avec ce ballon pour Mike Chokounte, côté gauche, Chokounte, au niveau du poteau de corner, côté gauche, face à Tac Alfred, Chokounte, il a la solution Julien Lopez, il va revenir carrément jusqu'à Cyril Mondouki. Donc il va revenir avec Thomas Delaine, attention par la perte Thomas Delaine. Il a touché la balle, Thomas Delaine. Même s'il a effectivement taclé Pape Sané, il a touché le ballon d'abord. Et on va sortir cette balle côté Paris FC parce que Pape Sané est au sol. Et il s'est fait mal aussi hein, Thomas Delaine. Effectivement. On voit que sur les bancs tout le monde est bleu. Ça se prend les deux côtés parce que Thomas Delaine, effectivement, il a bien accroché Pape Sané. Il avait pris le ballon avant, mais il l'a quand même accroché. Alors que ça parle beaucoup avec le quatrième arbitre hein, sur le banc d'Auxerre. C'est Adeoti hein, qui est sorti et qui vient de jeter de sa bouteille de colère. Et ça ne plaît pas beaucoup à monsieur le quatrième arbitre. Et les deux joueurs se sont relevés. Et on rentre à l'instant dans le temps additionnel de cette rencontre qui n'a pas encore été annoncé. Et à l'instant, 3 minutes. Le temps additionnel et ça va être les 3 minutes les plus longues de la saison pour l'instant sur le Paris FC. Et on va rendre le ballon côté Auxerrois. 4 minutes finalement. Il y avait bien marqué 3 au début sur le panneau. C'est vrai, mais je pense que l'incident qui vient de se passer a sûrement. Une minute tout ça, ça a rajouté. Ça, plus ce qui s'est passé tout à l'heure avec Sami Yohou. Ça... On sait pas trop comment ça a été décompté, mais en tout cas, 4 minutes minimum de temps additionnel. Et le ballon pour le Paris FC avec Souleymane Karamoko côté droit. Il y a Idriss Cherki dans la surface de réparation. Il va attendre la montée de plus de Parisiens. Souleymane Karamoko au niveau du bout de corner et face à Attaque Alfred. Et c'est finalement dégagé par un Auxerrois. La touche sera pour l'AJ Auxerre parce que ça a été contré par Souleymane Karamoko qui aurait peut-être dû se centrer. Il y avait Idriss Cherki qui était vers l'avant. Touche pour Auxerre au niveau de leur surface de réparation côté gauche. Le pressing haut des Parisiens permet une récupération de Mike Chokounte. Karamoko avec Julien Lopez. Il est pas de position d'enjeu Julien Lopez. Long la ligne de but et elle est sortie cette balle finalement. Il a essayé de la mettre en touche intelligent pour pouvoir rester un peu haut et en difficulté. Et ils vont essayer de jouer vite les Auxerrois là-bas. Faut rester bien en place côté parisien avec Mikael Tacalfred qui va avoir le ballon là-bas. On essaie de caler sur la droite et c'est ces fameux longs ballons de fin de match dont on en avait parlé tout à l'heure tous les deux Antoine, dont on vous avait prévenu. Oula, il y a de la glissade qui aurait pu donner gros tac et c'est Julien Lopez qui va avoir une situation de contre. Allez Lopez, dos au but, il s'est accroché là mais ça profite à Idriss Cherki. Cherki qui est sur le couloir gauche, le centre Idriss Cherki vers Malik Chokounte, il s'était encore bien placé hein. Il s'était encore très bien placé Malik Chokounte, malheureusement le centre d'Cherki qui n'a pas assez décollé pour passer le premier rideau défensif matérialisé par Mika Tacalfred et le contre pour Auxerre avec Pape Sané, deux buts. Pape Sané chassé de la moitié de terrain parisienne à Paris de Moakichi. On a 1 minute 45 dans le temps additionnel, on arrive bientôt à la moitié. Ce ballon peut-être pour Pape Sané, la surface de réparation, tête de Thomas Delaine. Pape Sané qui a réussi à prendre ce balle, deux buts Pape Sané et le retour de Cyril Mandouki qui va dégager loin devant, enfin loin, un peu moins loin que ce qu'il avait espéré. Alors que Fabien Arcada il est absolument hors de lui parce qu'il jugeait que la touche était parisienne. Et le banc parisien est debout. Hein. Ouais. Le banc parisien est debout. Fabien Arcada qui est rappelé à l'ordre par Monsieur Rabit parce qu'il était très très loin de sa zone technique. Même s'il est absolument pas d'accord avec le jugement de l'assistant, il vient de serrer la main quand même à Monsieur l'arbitre. Et touche donc pour Auxerre et on comprend pourquoi Arcada était en colère parce que ça peut faire des situations. Et touche Auxerroise, on l'a vu. Avec Goujon, la touche est partie, c'est long. Et c'est finalement une faute. Bien joué, cette touche. Elle n'est pas sur un joueur de grande taille comme il y a pu mettre dans la surface. Là, ça pouvait sembler difficile, effectivement. Tu as combien? 2040. Bon. On va peut-être l'avoir, notre première victoire, tous les deux, sur l'heure de sport. Du PFC. On a eu des victoires, mais pourtant du PFC. C'est ça. Parce qu'on le rappelle, hein, vous pouvez suivre, bien sûr, tous les matchs à domicile du Paris FC, tous les matchs à domicile du Red Star, de l'US Créteil Lusitanos, la Coupe de la Ligue, avec toujours le Red Star en peut-être course. Peut-être la Coupe de France, si les tirages sont... Si les tirages sont favorables. Et quelques matchs de l'entente Sanois Saint-Gratien également.
Oh, Malichu Kunte, il l'avait pas vu, il était hors jeu. Il était quand même parti pour mettre effectuer les positions de hors jeu, mais il l'avait pas vu. Alors attention, parce que j'en ai vu aussi des choses sur les dernières minutes à Charrette. 3 minutes 20. Le PFC, 3 minutes 20, traditionnel. On en a vu des choses se passer ici au stade Charletti. Ce long ballon là-bas dégagé par les joueurs auxerrois, peut-être récupéré à nous par un Parisien. Attention, attention qu'on sort son bloc comme ça pour des bons, il faut se replacer. Effectivement, ce qu'il va faire, Idriss Echargui va au pressing pour essayer de gêner la relance auxerroise. Il a bien raison, ça leur fait perdre un petit peu de temps. Et la dernière action pour les auxerrois avec le crochet, c'est pas fini, revenir à Ludovic Obraniak. Attention, là-bas, c'est poussé par Samiou, ce sera corner. Ouh, qu'on a eu très très chaud sur la cage parisienne. Il a poussé là-bas de l'épaule, Samiou, c'est allé juste à côté de la cage Vincent de Marconnet, tout le monde derrière. Et attention, danger. Troisième corner du match pour la JOCR. Ça va être tiré, c'est parti, c'est dans la surface de réparation, ça se bagarre un peu, c'est dégagé par la tête de Malichu Kunte par Julien Lopez, et c'est terminé, la première victoire à domicile du Paris FC lors de cette saison 2017-2018. Ça elle fait est bien, là, Antoine. Elle est ce soir, 2-1 pour le Paris FC face à la JOCR. Oh, le bol d'air, ce coup de sifflet, mais cette dernière action des Auxerrois incroyable, pas loin d'ouvrir le score, Samiou de le prolonge de justesse, les Parisiens se congratulent, une victoire qui fait beaucoup de bien avant la trêve internationale d'un PFC qui va pouvoir souffler. Et quel match solide des Parisiens. Ils nous ont fait peur à plusieurs reprises, mais de manière générale, c'était quand même solide le match fait par les Parisiens. Il y a eu des occasions, et surtout, il y a eu des occasions converties, ce qui n'était pas arrivé depuis le match contre Clermont. Contre Bonferrona, pardon. Effectivement. Effectivement, du réalisme, c'est ce qui avait manqué au PFC ces derniers temps. Donc voilà, là c'était utile. On le rappelle donc, hein, le Paris FC qui s'impose ce soir 2-1. On va vous afficher le petit scoreboard dans quelques instants. Le voici, donc victoire du Paris FC face à la JOCR. Des buts inscrits d'abord par Malichu Kunte. Ensuite par l'égalisation auxerroise par Romain Philippe Otto, avant que Julien Lopez n'inscrive le but de la victoire lors de cette dernière action, et sur une action de contre parfaitement. Alors, que attention, on va quand même noter un petit truc, Antoine. Peut-être des explications là-bas aussi, parce que c'est vrai qu'au CERF, c'est pas du tout un bon résultat. C'est grand perdant de la soirée aussi à noter. Et on va voir ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Un petit peu mais parce peur, que les supporters, on a entendu des ou. Surtout que les supporters auxerrois sont descendus de leur tribune. Ils étaient, on l'avait dit, en haut parce que la tribune basse était fermée. Ils sont en train de descendre et c'est ça qui déplaît plutôt au stadier. Et ils vont s'exprimer, parler à leurs joueurs. Alors que les joueurs parisiens vont également aller voir leurs supporters. Mais pas dans la même atmosphère probablement. Parce qu'on le rappelle, hein, Auxerre qui était 17ème avant cette rencontre, le Paris FC était 14ème. On va faire un point sur les résultats complets de cette journée. Avec donc le Paris FC qui s'est imposé 2-1 face au Auxerre, 2-0 pour Bourg-Perona face au Gazélec Ajaccio, pour Bourg-en-Bresse, pardon, désormais, face au Gazélec Ajaccio. 2-1 pour le Stade Brestois face à l'AS Roche-sur-Yon, 1-0 pour le Nîmes Olympique face au Havre, 2-0 pour Clermont face à Quevilly, 5-1 pour Châteauroux face à FC Sochaux-Montbéliard, 3-1 pour l'AS Ajaccio face à Tours et 4-1 pour Valenciennes face au Chamois-Niortais, et le Red Star du côté du National qui s'est imposé pour l'instant 3-1 face à l'Avranches, c'est terminé. Ah, Avranches, bonne opération encore des Odoniens. Du coup, oui, effectivement, très bonne opération du Red Star qui continue au classement. Le PFC qui prend un bol d'air, l'entente qui pour moi ne perd pas. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Et pendant que les joueurs parisiens vont passer, allez, on va dire un bon moment, saluer tous leurs supporters ici, ouais, au Stade Charletti. Allez. Et nous, on va se retrouver. Alors, du côté de Stade Charletti, ce sera Tours, il me semble, ou Orléans. C'est New York, plus l'un ou l'autre. New York, le 8 septembre. C'est le Chamois-Niortais qui se. Oui, enfin, à domicile, je parlais. À domicile. Ah oui, le Paris FC qui jouera donc le 8 septembre. Oui, il y a la trêve internationale. Senior, après, voilà, il y aura la trêve internationale. Donc le Paris FC qui ira à New York le 8 septembre. Et la semaine suivante qui sera donc à Charletti face à Tours. C'est contre Tours, oui. Et on y sera bien sûr. Et pour jour de sport, parce qu'il n'y a pas de trêve internationale du côté du National, le Red Star qui devait rencontrer le Sébastien qui est donc exempt sur cette journée. Mais on sera avec moi-même et Daniel Marquez du côté du stade du Vauchel pour une alléchant Créteil Grenoble. Très alléchant. Qui, tiens, c'est pour moi, c'est. On vous rappelle bien sûr du côté de jour de sport que vous pourrez nous retrouver dès lundi dans Flashback National épisode 4 pour
faire un petit peu le récap de cette journée nationale avec notamment le Red Star qui s'est imposé 3 buts à 1, on le rappelle, face à Avranches, et ici à Charletti, le Paris FC qui s'est imposé 2 buts à 1 face à Auxerre. On vous remercie de nous avoir suivis sur cette soirée. Rassurez-vous, c'était le dernier match du mois d'août, mais la saison qui ne fait que commencer pour nous sur le sport. C'était l'entrée, même on pas sera, l'apéro là pour moi. On était à l'apéro et un apéro bien terminé. Avec modération. Pour le Paris FC. On sait jamais. Si des gens nous prennent nos mots, t'imagines. C'est ça, exactement. On se retrouve donc sur Jour de Sport la semaine prochaine, vendredi, à Duvauchel, dès 19h50. Comme toujours, bonne soirée à tous et à toutes. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao.